voilà, YouTube. Vidéo trop longue, c'est pas apprécié. Alors la suite. Voilà. Quelle horreur. Je n'aurais cesse de me répéter, mais... C'est d'une violence. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un Vomito juste en face. Bonjour, monsieur Vomito. Voilà. Aïe. Ah, un super excité. Ah bah ça y est, je l'ai eu. Des seringues et des antalgiques. Sachant que je suis sur l'immeuble ancienne base de Crane. On y croit ou... crochetage intermédiaire. Bonjour madame. Madame qui a failli me surprendre. Donc ça c'est condamné. Voilà, j'ai même pas d'interaction possible. Au moins la scène mérite d'être claire. Limite si je serais pas passé devant la malle sans l'apercevoir. Ouais, d'accord. Mais il faudrait vraiment que je fasse des apparts avec des salles de bain hein, pour trouver la pharmacopée. Parce que là, pour le coup, je l'ai dans l'os, je l'ai dans le baba. Non, déjà fait, je crois. Ouais. Et il reste la partie là que j'ai pas faite. Non, j'aurais été vraiment surpris d'avoir un truc de pharmacie. Ah, je peux y retourner? Ah non, je peux pas. Je peux pas là. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que écumer l'immeuble de l'intérieur là ça m'aurait vachement plu. Ah là c'est un espoir perdu, un espoir déçu. Tiens, il y a un vendeur par là. Accessoirement en plus c'est une zone de repos. Sachant qu'on voit le crépuscule qui s'est amorcé là, qui est en train de s'installer. Et je suis pas spécialement d'humeur à l'idée de me coltiner des rapaces. Ma cible est quelque part par là-bas. Oh, c'est haut. Ouais, je redescends comment sans me tuer? This is the question. Visiblement, je peux pas aller par là-bas. Au secours, maman, j'ai peur. Je suis obligé de redescendre par les étages? Non. Ça m'enchante pas, mais apparemment, je suis condamné à ça. Alors, voilà. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Oui, j'aurais mieux fait de suivre leur conseil, c'est-à-dire voir en contrebas si j'avais pas une benne à ordures qui aurait pu amortir ma chute. Oui, c'est gentil de me mettre à l'épreuve et de me refoutre sur un hall d'immeuble. Qui est visiblement pas le même que celui où j'étais. Ah bah, tiens. Le vendeur, il est là. Allez, moindre mal.
Merde, décidément, je le fais exprès. Ah bah c'est le Gugus de tout à l'heure. Qui n'a plus rien à me proposer. Alors le café, je vais le garder parce que... Comme ça fait partie d'une quête, je vais peut-être cesser de leur vendre à tour de bras. Voilà. Oui, alors... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Voilà, ça va. Ah bah voilà. Ah bah non, ils sont un peu loin les sacs. Mais je sens que j'ai encore me tuer bêtement. Voilà. Allez hop. Oh. Trois étages, je suis pas mort. Parce que monsieur est un athlète. Mais merdoum. Ah. Attends, il y a un malheureux en face qui se fait agresser. Oh. Décapitation éclair. Ça a été d'une violence. Te voilà. Oui, je l'entends mal parler. Ah oui, il a des soucis. Voilà. C'est limite si je pourrais pas l'escorter, le mec. D'ailleurs, ce serait amusant de voir où est-ce qu'il va dans le script. Où est-ce qu'il se barre? Merde, j'ai droit à une excité. Ah là là. Ouais, j'allais dire tu peux te baisser parce que... Merde, mon arme est devenue inefficace avec ce boxon. Mais non, mais j'ai pas eu le temps de la réparer. Merci. Allez, boum. C'est bien, il se barre. Mais où est-ce qu'il va, du coup? Non, il se barre dans l'immeuble? Sérieux? Ah ouais, eh bien, l'animation elle est bien faite. L'animation est trop bien faite. C'est cohérent, c'est logique, respect. Alors, bonjour Noah. Je vais me permettre de dire Noah parce que les premières lettres pour moi sont pas prononçables. Ça fait trop de consonnes une seule fois. J'espère que ça va bien, Noah. Merci de te manifester sur le canal. Je suis en train de m'apercevoir que ma quête de protection est revenue. C'est intriguant. Non, mais je m'inquiète pas du tout, Noah. Alors. Je vais peut-être éteindre la lampe torche parce que je vais les exciter. Mince, j'ai fait usage d'un kit de soin pour rien. J'ai cru que j'allais pas maîtriser le Mickey. Pourquoi la plupart des gens disent... Oui, je sais pas. Oui, merci pour l'acte de fidélité. Bienvenue, Noah. Papa, papa, papa. Alors, sans offense, Noah... Je suis en train de découvrir le jeu et ma première partie, je tiens absolument à la faire en solo. Donc vu la lenteur avec laquelle je m'éclate, hein, j'avance pas du tout dans le scénario principal parce que j'adore faire les quêtes annexes. Je serai pas dispo avant l'an 2024, c'est-à-dire pas avant l'année prochaine pour basculer en mode coopération. Alors merci de proposer, mais là c'est loupé. Ah non, je... Depuis que je peux jouer à ce jeu,
que j'ai un petit peu monté en standing au niveau de mon matos informatique et que j'ai enfin la carte graphique compatible, je boude pas mon plaisir. Oh là là, quelle horreur! Oh là là! Oh! Oh, oh, oh. Oh punaise, ils sont nombreux les loustiques. Bon, c'est pas un fourgon verrouillé ça? Ouh, j'ai du gain potentiel. Ah bah. Merde. Ah, une matraque et c'est tout. Mais c'est bien, j'ai réussi à... À choper. Non, 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 les voitures elles sont cuques. Les voitures elles sont cuques. Je sais même plus. Ah oui, je voulais rejoindre la tour parce qu'en fait il y avait un survivant. Hop, c'est un peu haut. Je lui ai un petit peu pété la cheville à Crane. Ta 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 ta. Oh, j'ose. Tenez, attrapé. Ridicule. Ah non, 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 je suis pas tant... Merde. On l'a très rapidement, mais je vais me faire choper. Ah. Ah, ça va. M'attendez à ce qu'il soit plus réactif que ça. Donc j'ai le temps de faire mon casse. Oui, bien. Je suis en train de réussir ma quête café. Oui, c'est une planque. C'est intéressant. Mais il n'y a pas de vendeur dedans. C'est moins intéressant. Aller à la tour. Oh là là. Je me suis laissé impressionner par les zombards qui étaient au pied de l'immeuble. C'est qui le zombie qui flambe? Ah bah, je ne le saurais pas. Merde. J'ai merdé mon assaut. Alors, ce qui est ballot, c'est que c'est la nuit qui tombe. Donc, pour faire la quête du... Ah oui, j'allais dire. Je comprenais plus où est-ce que j'étais, là. Pour faire la quête protection en nocturne, c'est peut-être pas l'idéal. Parce qu'avec les rapaces, ça va être très, très sport. Déjà, quand en normal, le jour, je m'en sors rarement du premier coup. Ah non, la quête m'est toujours proposée. Ah, c'est le vendeur, je l'avais oublié lui du coup. Vous gagnerez en argent, comment savoir? Si vous voulez bien m'accorder un peu de temps. Rien de personnel, on croirait que vous êtes un vendeur. Ouais, sauf que là on va avoir un gros problème. Avec les zombards de nuit, on risque d'y rester. Oh punaise! Tout à vendre pour être le vendeur de l'année. En supposant qu'avec tous ces morts et ces zombies, nous terminerons l'année plus tôt. Ce qui sera le cas. Écoutez, je suis assez occupé. Nous le sommes tous. Je suis occupé. Vous êtes. Attends, le mec, je vais le snobber parce que. Je suis en train de voir que je peux honorer une de mes quêtes secondaires maintenant dans la tour. Voilà, merci, au revoir madame. T'as besoin de quelque chose ? Je commence à bouder un peu son matos parce que
La faucille qui fait moins de 100 points de dégâts, là j'en suis à un niveau où les armes de 250 et plus sont appréciées. Alors, ah, c'est lui qui comptabilise, d'accord. Afra est obsédé par le gage, mais bon, c'est assez logique finalement. Il faut tout pour faire un monde. Personnellement, je me passerais bien de lui. Attends, je bois un coup. Il m'a dit de vous donner ça. Regardez ça, le meilleur. Très précieux, les plans. Pour pouvoir fabriquer plein de trucs. À tour de bras. Il est où le vendeur? Ah, la bande d'arcade. Je te ferai un bon prix. Alors. Oui, la dernière hachette, pardon, à tout faire que j'avais entre les mains, effectivement, elle m'a permis de faire un carnage. Oh, ce serait mon premier katana, mais je sais que je vais finir par en trouver. Je sais que je vais finir par en trouver, donc non. Mais c'est vrai que c'est tentant. Vendre, du coup... Ah si, il me reste des babioles à lui refourguer. Je suis pas enthousiaste à l'idée de faire l'escorte avec le vendeur de mes deux de nuit. Ça va être juste impossible, quoi. J'y crois pas. Je pars pessimiste. Ah bah tiens, justement des hachettes, j'en ai. Eh bah je vais m'en garder une, tiens. Eh, l'épée courte, pas mal non plus. Hein. Oh la vache. Il y a de ces trucs. Bon, les pétards, je vais pas en prendre 50 sur moi non plus. Enfin, si je peux les déposer, merci. Bah, c'est quoi ce bug? Ah, je les dépose par lot de 10. Ah oui, alors oui, non, mais là, c'est bugué à la programmation. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais bon. On va dire que c'est pas malin. Fabriquer exorciste, je peux faire. Ou gueule de bois. Alors, saignement électricité ou toxique saignement? Allez, gueule de bois. Parce que l'effet toxique était de niveau 2, alors autant en faire une arme exceptionnelle. Améliorer. Ben voilà, je rajoute les modules là. Allez, elle est super maniable et elle est plus résistante que la normale. Allez, je m'offre du rêve là. C'est beau. Le dodo. Ouais, que je fasse ça de matin, le vendeur de mes deux là, de... Je sais plus ce qu'il vendait. Il vendait du désinfectant, c'est ça? Et le Mickey Joyeux de Riz était à l'opposé. Il était là-bas, pardon. L'aurore est magnifique. Allez, j'accède, bouge ton boule, on y va. Rien de personnel, mais on croirait que vous êtes un vendeur. Mais je suis Farouk Korkman. La tirade, elle est trop longue. Dans les produits et services de nettoyage zèbre. Bouge de là. J'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit. Bien sûr que non. Et je ne veux rien vous vendre, sauf une chose. Une idée. Vous demandez votre aide. Oh punaise. Comme tu dis, oh punaise. Je manque 3 ventes pour être le vendeur de l'année. En supposant qu'avec tous ces morts et ces zombies, nous terminerons l'année plus tôt. Ce qui sera le cas. Écoutez, je suis assez occupé. Nous le sommes tous. Je suis occupé, vous êtes occupé à m'aider. Mais ces ventes sont déjà faites. Je dois simplement livrer 3 flacons d'antitaches herbes pour pouvoir envoyer les papiers à la campagne. Une fois les ventes validées, je deviens vendeur de l'année. Ouais, mais... Mais qu'est-ce que vous y gagnez? La gloire, quoi d'autre? Des récompenses, oui, des petits trésors utiles aux gens comme vous. Et enfin, la garantie de satisfaction zèbre. Ah là 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 là, ces bonimenteurs! Vous
ne le regrette. Ah, ils ont toujours le verbe, hein, ils ont pas leur langue dans leur poche. La mort tout autour de nous, avec toutes ces histoires de mort et tout. Quand il aura fini son discours, la nuit sera de retour. Ça parle mal. Allez, c'est parti. Alors lui, quand je vais le perdre, si je merde la mission, je vais le regretter. Parce que la punition, c'est se recoltiner tout son baratin qui dure 2 minutes. Oh là là. L'ultra confort, ce serait d'y aller au pistolet mitrailleur, mais les balles, ça coûte cher. Attends. C'est comme ça qu'on fait. J'ai terminé dans ce quartier. Il faut bouger. J'ai terminé dans ce quartier. Ah, c'est les gars de Crane. Ah, là, la date est différente. Merde, je suis en train de perdre mes balles parce que j'arrive pas à viser la tête. Il est passé où? Ah. Donc l'autre a fui, c'est pas plus mal. Mais là j'ai gâché des balles parce que... J'ai pas tiré proprement. L'ancien client, la bonne blague. Livraison de Serge. Peut-être qu'ils sont pas. Je le laisse devant la porte. Ah, il se relève. C'est bon, il est mort. Oui, je veux bien parce que là. Tiens, du coup, je repars avec la bonbonne. Où est-ce qu'il va? Oh la vache. Attends. Je la lance et je la récupère en bas. Hein. J'irai plus vite. C'est vrai en plus. Attends, là, faut que je passe le barrage. Mais où est-ce qu'il est passé? Mais il est où, cet idiot? Il n'y a pas de commission. Repartez derrière. Ah. On ne rembourse pas. Oui, j'allais dire, elle se met à genoux là, il prie devant le zombie ou... J'ai pas compris sa posture, le mec. Attention. Ah, ils sont tous morts. Plus de clients potentiels. On y va. M'en parle pas. Où est-ce qu'il me promène, lui? Une livraison de herbes chimiques. Sans doute parti chercher de l'antisine. Ha! Courage. M'en parle pas. Serpe vous attend devant chez vous. La commande est renouvelée automatiquement. Vous recevrez 2 autres flacons dans un mois. Profitez d'une vie sans tâche. Il a vraiment la formule de vente, lui. On devrait y aller. D'habitude, j'aime bien aider les gens. Vous êtes dans l'humanitaire? Ouais, avec le GRE. Contradictoire, non? Ça parle mal. Et conclure. Tiens, attrape. Oh merde. Il s'est mis dans la trajectoire, ce con. Oh le con. Aïe aïe aïe.
Ah, attends, je le vois plus. Oh, mais il va trop vite. Attends, bon, laisse tomber ma bonbonne, là, j'ai la ridicule. On a rigolé un bon coup, mais là, il va trop vite. J'arrive pas à le suivre. Ah, diversion peut-être. Non. Oh, merde, les Jouser. Oh, il s'est fait pécho. Oh! Mais vous faites le mur, monsieur! Oh là là, rien ne va plus! Waouh! Trop flippant! Ah ouais, non mais là. Tu parles d'un glitch? Quoi? Mais il va se calmer, lui. Oh, l'eau. Oh, la décapitation que je lui ai faite. Eh ben, t'as eu chaud, mon gars. T'as failli te faire abattre. Oh, oh. Ah. Deux encore, ça va. C'est gérable. Faudrait pas qu'il y en ait un troisième. Lui, ça fait mal. Tu m'étonnes. Je t'ai démembré. Attends. Ah, il est déjà parti, cet idiot. Faut que je fasse gaffe parce que il lui reste plus beaucoup d'énergie au. Attends. Non, ça va pas, je suis trop lent dans mon attaque. Voilà, attends, j'arrive. Merde, il est mort. Ah, fais chier! Je vais me retaper son baratin. Je rêve ou il l'a entre les jambes? Non, j'ai rêvé, pardon. Parce que certains plans, ça faisait pendouiller dans l'entrejambe, c'était... Elle va me buter, elle va me zigouiller. J'ai pas le temps de réparer mon arme. Non, je vais changer d'arme. Attends. Voilà, terminé. Ah merde, Doom! Ah! En même temps, il était pas si loin que ça là dans ses. Dans sa promenade, comme il est à la tour, je vais pouvoir l'argent assez facilement. Allez, il était où le stick? Je sais plus. Mais il y en a combien? Oh là là. Allez, suivante. Merci. Oui, il était là-bas. Bis repetita! Allez! Monsieur, je dois vraiment vous parler d'une affaire urgente. Vous gagnerez en argent comme. Oui, elle est très urgente ton affaire. Alors arrête ton baratin et avance. Pareil, vous êtes un vendeur. Oh! Mais. Je suis Fred Kochman, vendeur phare de l'histoire de produits et services de nettoyage. Et j'ai aujourd'hui pour vous une grande opportunité, monsieur. J'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit. Le mec en costard, berge, chemise qui se bat avec une épée médiévale en main. C'est stylé. Dans le jeu vidéo, c'est très original. Oh punaise. On voit pas ça souvent, hein. Il me manque tout à vendre pour être le vendeur de l'année. En supposant qu'avec tous ces morts et ces zombies, nous terminerons l'année plus tôt. Ce qui sera le cas. Écoutez, je suis assez occupé. Nous le sommes tous. Je suis occupé, vous êtes occupé. Ouais, en univers post-apocalypse. Voilà, on se fait plaisir, des fantaisies. Ah. Une fois les ventes validées, je deviens vendeur de l'année. Ouais, mais... Mais qu'est-ce que vous y gagnez? La gloire, quoi d'autre? Des récompenses, oui, des petites trésors utiles aux gens comme vous. Et enfin, la garantie de satisfaction Zerb. Alors. D'accord, Farouk. Continuons. Vous ne le regretterez pas. Les temps sont durs pour les ventes. C'est la mort tout autour de nous.
avec toutes ces histoires de mort et tout. Mais vous persévérez. Appâter et conclure, voilà. Allez, ce que je dis. Je vais le faire un petit peu au flingue. Ça va me changer d'approche. Ça va potentiellement, je dis bien, potentiellement me faciliter la vie. Il faut pas que je gâche mes balles. Mon E, c'est foutu. Allez, vas-y, fais ta course hein, journalière, là. Vas-y, le petit Faruk. Je me demande d'ailleurs si à terme il n'y aurait pas un succès à déverrouiller caché. Du genre, vous avez secouru tous les gars qui avaient escorté. Une livraison de oh là là. Hop. Est-ce que si je fais ça, j'attire du monde? Le mec qui cherche les ennuis. Ou pas. Ok, au suivant. Donc, tu vas où? Ah bah. Voilà. Oh, qui s'est basé? Je me soigne parce que là ils font bobo. Alors, calme-toi parce que les excités là. Ouais, que les excités sont dangereux. Oh, magnifique. Alors, il est où le gars? Il est déjà reparti. Aïe, je cours plus vite que toi. Oh, j'aurais presque pu faire de la tyrolienne. On ne rembourse pas. On ne rembourse pas. Il est passé par là-bas. Hop là. Merde, mon arme est pétée. Heureusement qu'il s'est cassé la figure. Attends. Il est passé où? Mais il va trop vite. Eh, faut le suivre le gars. Ah, je vais peut-être passer au flingue. Surtout qu'on a un poursuivant. Ah, il est passé par là. De moi un mauvais vendeur. Voilà, en pleine tête, terminé. Wouh! Re mon cher Fanfan. Bon. Allez! Termine ton baratin. Oh, mais c'est pas vrai. Et si je loupe celle-là, la prochaine, elle se termine de nuit. Hein. Ça va être juste un enfer. Parce que vu le temps qu'il met... Ça y est, il est reparti. Il est reparti. Mais non, ils sont pas si bons que ça. Voilà. Allez, on va faire diversion. Terminé dans ce quartier. J'espère. Oh, tension. Voilà. Vache. Ah, ça devient mauvais là parce que. Ah, il faut que je puisse recharger, bordel. Le flingue est pas si top que ça. Hein. Enfin, ça dépend. C'est pas la panacée, mais ça dépend des moments. Attends, je sais plus où j'en suis là. Eh, il va crever. Il va crever. Ah,
Ils sont tous morts. Plus de clients potentiels. On y va. Diversion. Oh merde! Oh! Ce souffle à danois. Merde, il est en haut. Ah, il est là-bas. Ouais, il est au loin. Ouais, je te vois. Bah, j'essaye de faire diversion, les... Soyez pas atterri dans le public. C'est une technique comme une autre. Eh, j'aurais pas à dire, mais jusqu'à maintenant, ça a l'air de marcher. On se moque, mais... Ah merde, il est chiant, lui. Merci pour les munes. J'avais besoin de munitions, c'est bien. Oui, j'allais dire, surtout, prends tout ton temps. Voilà, la tête, c'est le plus important. Attention, il y a un loustique qui arrive. Hop là. Ah, c'est à la tour. En fait, il revient à son point de départ, le gars. Merde. Il est où? Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, le gars? Il est dans l'immeuble? Ah, il est dans l'immeuble. Ok. Merci. C'est bon, il y en a plus? 20 de Dieu. Eh, pardon, mais ma technique a fonctionné. Merci, monsieur. Vous êtes employé honoraire de Zerp Chimie. Félicitations. Merci. Voici votre paiement. J'aime bien le mec en sang. Ne venez pas sur mon territoire. Si je vous prends à braconner mes clients, je vous tirerai dessus. Au revoir. Et il lui restait un quart de vie. Plan pour lance-flamme. Excellent. Ah non, mais il était parti pour à nouveau cuit, quoi. Alors, l'intendant. Ouais, je commence à faire mon difficile, j'avoue. Le vendeur. Mmh. Ah, le prix du katana a augmenté. Il était à 9000 tout à l'heure, il est passé à 15000. À mon avis, il doit être de qualité supérieure. Bonjour, Devil Olive, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de te manifester sur ma chaîne. Ah, le résultat est là, hein. Je m'en suis sorti. Ouais, ça va dans l'ensemble, merci, Devil Olive. Ce que je disais tout à l'heure, bien content de pouvoir être peinard chez moi un jour où il fait moche et que c'est le bazar dehors, comprendre les manifestations, les grèves et tout le toutim. Donc, ouais, de justesse avec le souffle. Le souffle coupé. Alors, les quêtes. Oui, donc bandage et médicaments, j'ai pas fini. Et le café, il m'en manque encore un peu. L'autre loustique avec son déjeuner mortel. On va essayer de le rejoindre. Alors attends, le flingue, je vais me calmer parce que j'ai utilisé beaucoup de balles. Maintenant, l'usage de l'arme à feu, il faut que ça devienne exceptionnel parce que... Les munitions, là, je les ai en partie bouffées. C'est pas cool. Merde, je crois que c'était un contenant. Et je me suis planté. Hop là. Le loustique de producteur de films de mes deux. La mallette est intéressante.
Ouais, le sage sait faire du bon café. Et puis en plus, tu sais, c'est ma drogue. Je carbure quotidiennement au café, moi, donc... Oula. Survivant, mais pas de vendeur dans la planque là, donc je vais pas y retourner, j'ai pas... J'aurais pas d'avantage à y aller. Ouais, il y avait du matos, mais... Ah bah, pharmacie. Attends, elle est où l'excité? Oui, elle m'avait repéré, j'avais compris. Elle voulait un autographe, là, madame. Terminé. Ah. Bah, si j'ai ne serait-ce qu'une trousse de soins, je serais ravi. Un petit kit de soins, franchement, là, ça va me faire plaisir. Voilà. Et ben voilà. L'essentiel y était. Ah. C'était trop beau. C'était trop beau. Non, non, tuyau de gaz, je m'en moque. Faut être poli. Voilà. Rentrer dans la pharmacie, c'est comme ça. Et là, je vais peut-être trouver le matos que je souhaite pour la pharmacopée. Ce serait logique. Vu le bâtiment dans lequel je me trouve. Alors. Ah! Devil Olive qui s'adresse à Funfan. Monsieur Funfan, vous avez bien avancé sur la partie en pro avec Resident Evil 5 ou Biohazard 5 pour les puristes, avec le coyote. Ah ah! Mon cher Funfan, il va falloir que tu expliques à Devil Olive jusqu'à quel point tu as progressé au niveau pro. Que tu avais fini ta partie à 3h du mat, mais ça ne dit pas jusqu'où tu avais avancé avec... ton nouveau coéquipier. Alors que je suis en train de dévaliser la pharmacie pour mon plus grand bonheur. Tu sais pas qui est qui, oui, Devil Olive, oui. Oui, même moi, je t'avouerai que. Aïe 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 aïe. C'est pas ça que je voulais faire, je me suis un peu trop précipité, j'ai déclenché une excité. Bonjour madame, au revoir madame. Voilà, c'est écœurant mais efficace. Donc moi je voulais retourner dans la pharmacie. Vive le grappin. Donc je descends dans la réserve de la pharmacie, voilà. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Et pas mon idiotie de cascade qui a servi à rien. Oh là là. Bah. Je m'attendais à trouver des médicaments dans la pharmacie, pas du matos mécanique. Voilà, je pense que le plus intéressant va être au rez-de-chaussée. Puis c'est... Là déjà, ça commence à me plaire. De voir le truc de chimie. Ah, magnifique pour faire des kits de soins. C'est le bonheur. Ah, antalgique, 1 sur 3. Peut-être mettre de la lumière là parce que... Antalgique, 2 de 3. Évidemment, le troisième va m'échapper, sinon c'est pas drôle. Hop là. Hop là, je referme derrière moi. Ce que j'avais prévu est arrivé, c'est-à-dire que je l'ai dans le baba. Au niveau des antalgiques, le nombre n'y est pas. Mais mon objectif, défini, ça reste le producteur de films véreux là, qui me demande à faire un carnage à chaque fois pour qu'il ait toutes les scènes de son futur film.
Et mince, je fais face à du barbelé. Ah! Oh non, il y a des loustiques de Rice. Oh, ils sont chiants. Mince, il m'a fait mal en plus. Oh là! Alors là, il n'y a plus personne. Mince. Non, c'est juste que je voulais un autre angle de tir, moi. Oh, pas mal, je suis dans un appart, mais c'est pas ce que je voulais faire. Hop là, terminé. Attends, les gars de Rice, ils sont où? Oh là, ça court de tous les côtés. Je sais plus où j'en suis. Le survivant est mort. Oui, oui, bah oui, je pense bien que je t'ai fait mal. Oula, là, je sais pas passer loin. Ah, les deux sont électrocutés. Bon, allez, pan ou... Allez, pan. C'est horrible, mais c'est efficace. Allez. Voilà, le quartier est devenu subitement très calme. Ah non, j'aurais peut-être pas dû... Ah, il y a un boss qui arrive. Attends, laisse-moi dépouiller les gars de Rice. Après, le reste, je m'en moque. Donc, il est où, le gars? Ah, mais il était là, en fait. Il est là, le producteur véreux. Enfin, si j'arrive à le rejoindre. Alors, c'est quoi la suite? Tes fans t'attendent. On rigole plus. Le scénario? Tu dois tuer des tonnes de zombies. On sait pas trop pourquoi et on s'en tape. L'important, c'est que tu sois encore plus impressionnant que les autres fois. On va entrer dans la postérité. Difficile. Là, à mon avis, je vais en baver. 30 tirs à la tête. J'ai une trempe pour faire des tirs à la tête. Oh, c'est jouable. Voilà. Pas facile, mais c'est sympa le défi du snipe. Voilà. S'il veut arrêter de bouger, je vais peut-être l'avoir à la tête, lui. Enfin, faut qu'il arrête de bouger. Merci. Les autres, ils sont où? Ils sont par là-bas, visiblement. Effectivement, c'est pas du tout facile. Je suis pas dans le rythme. J'ai à peine fait un tiers, il me reste moins d'un tiers du temps, ça va pas du tout. Alors attends, là j'ai les excités de... ça va pas aider. Voilà. Viser la tête n'est pas forcément évident. Ah, encore le quai de la gare. Encore le quai de la gare. Mais en faisant le snipe, c'est dur. T'es en train de tuer mon film, là. J'ai fait 11 de, sur 30. Je veux bien qu'on recommence. Ça va être balèze. Ça va être vraiment balèze. Hop là. C'était quoi les... Ah, ah, c'était les gars de Rice qui avaient plus rien à faire ici. Ouais, je pense que j'ai même pas le temps de viser en fait. Pas beaucoup. Ouais, non, bah ça compte pas une fois que la cible est morte. Oh la vache. Eh, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur.
Oh là là, faut une dextérité. Alors, il y en a sur la voie rapide. Ouais, 8, 11, ouais. On parle pas. Merde! Alors, je pouvais les aligner, mais avec le recul de l'arme, j'ai perdu en précision. Il reste un zombie là, mais... Bah, c'est une excité en plus. Bah, laisse tomber. Tire à la tête, c'est mort. Il faut que je revienne sur le quai de la gare. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est... Eh, oui, il est vraiment très dur, ce défi. Oh là là. Non, non, c'est... Le quai de la gare, c'est le meilleur truc, parce que... Mais alors, les tirs à la tête, vas-y, quoi. Ah, cesse de... Ouais, ouais, la gare, c'est obligé. Passage obligé du défi, la gare. Bon, je m'améliore. Je m'améliore, mais on est juste à la moitié. Sur console, c'est pire. Oui, bah oui, pour viser, ça doit être épouvantable. Ça doit être épouvantable. Alors, lui, il est cadeau, là, le boss de mes deux. Allez, hop. La gare, on avance. On vise que les têtes au possible. J'ai dit au possible. Merde. Ça, c'est pas cool. Oh là 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 là. J'avais oublié le boss. Oh! Bon, bah, lui, il a ruiné ma tentative. Même pas la peine. Donc je me soigne, ce serait dommage de crever. Ouais, non, ça, non, ça compte pas. Il y en a là-bas. Voilà, tranquille. Là, pour le coup, ça compte pour un entraînement parce que c'est déjà foutu. Alors, la gare. Si je peux y accéder. Voilà, depuis le quai, c'est mieux. Merde, j'ai merdé, j'ai pas visé la tête. Bah alors, madame. Attends. Ah, j'aurais même pas fait la moitié, c'est triste. Merde. Combien? 17. C'était nul. Oui, c'était nul, je suis d'accord. Mon film, là. Allez, vas-y. Et action. Et on fait sauter les têtes. Pelle, 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 pelle. Voilà, il bouge trop. Je sais plus si je vise des têtes ou pas. Oi, 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 oi. Attends, il y a le boss là qui est en tout finir. Voilà. Wow, il m'en a comptabilisé que 7. Hein. Il faut vraiment que ce soit la première balle qui touche la tête. C'est horrible, mais... Ah, merde. Foot. Foot, foot, foot. Allez, on va aller sur le quai de la gare, ce sera mieux. Le boss. Hop, le pompier terminé. Oula. Non mais je pense que la quête là je vais pas la faire parce qu'elle est vraiment trop balèze quoi. Franchement bravo à ceux qui l'ont réussi parce que... Non, je fais à peine la moitié. Et j'en suis. T'es en train de tuer mon film là. J'abandonne le mec. Bon, je veux bien qu'on recommence. Trop trop dur. Oui, mais t'en fais pas, Funfine, y a pas de souci. Merci à toi déjà d'être là.
Mais non, non, le mec producteur de film, poubelle. Je me prends pas la tête. Alors, le coup de l'arme ultime, le mec, il est mort, c'est pas possible. Il est plus sur la carte. Attends, retournez voir Tobias quand il aura autre chose à vous proposer. Sauf que le gars a disparu de la ville, donc ça va être difficile d'honorer la quête. Il me reste le coup du café. Et il me manque des antalgiques. Ah, j'ai 9 cafés sur 11. Il m'en manque encore 2 paquets. Il faut que j'écume des apparts, tout simplement. Voilà, ici par exemple. Hop, je vais me barrer sur le balcon. Hop là. Voilà, là avec un peu de chance. Il y aura le matos escompté. J'ai dit avec un peu de chance. Ah bah. Il me manque plus qu'un paquet de café, c'est beau. Activez la sono. La petite radio. Alors. Ça, c'est encore un endroit à fouiller. Ah, Burke, on entend des mouches sur le cadavre d'à côté. C'est horrible. C'est horrible. Et ben voilà. J'ai le café. Alors, l'autre quête, c'était les antalgiques hein, qui me manquent, c'est ça? Il doit me manquer un antalgique, je crois. Ah non, il me manque 3 seringues. J'ai pas les seringues. Il faudrait que je privilégie les camionnettes de secours. Alors attends, celle-là, c'est une camionnette de civil. Lui, c'est le producteur de mes deux, là. Attends. Voilà, à force de sauter comme un cabri, je vais finir par me péter les pattes. Il faut que je me pointe vers une zone résidentielle. Alors, je me rappelle cette quête, j'avais... Oh merde, il y a un vomito. Attends, excuse-moi, je vais te lire avec grand plaisir. Ah bah tiens, il y avait encore la fameuse pharmacie. On va voir, si on y retourne, on va voir s'il y a du matos compatible. Alors, je me rappelle de cette quête, me dit Devil Olive, j'avais mis... J'avais mis un temps fou pour récupérer le matos médical. Ouais, ouais. Mais là, j'ai du bol de faire face à des enceintes... enfin, des enceintes. Des enseignes, pardon, je sais plus ce que je dis. De pharmacie, donc... Avec un peu de chance, le matos, il est là. Voilà, les antalgiques... Ah non, c'est les seringues. Je croyais que c'était une boîte d'antalgique. On y croit. Planque de joueur, ouais bah c'est cool. Le pire c'est que honnêtement je dois avoir le matos de quête dans mon sac puisque j'avais été dépouillé avant l'arène de Rice. Et tout mon inventaire a été transféré dans le sac donc. Ah bah tiens. Alors, les antalgiques c'est bon, il manque plus qu'un paquet de seringues. Oh, je dois l'avoir dans ma réserve. Je dois l'avoir dans ma réserve. Attends, c'est en bas les seringues. D'ailleurs, je vais faire le tri. Merde, voilà. Là, j'ai cliqué trop vite. Je me suis débarrassé d'une arme qui aurait pu m'intéresser. Ouais, c'est peut-être celle-là. Hop, je vais la reprendre. Et j'ai dit quoi? J'ai dit des seringues, je crois, qu'il me manque. Oh, elles sont trop petites, les barres de défilement.
appelé communément ascenseur d'ailleurs. Les seringues. Les seringues. Je dois avoir ça dans mon bazar. Oh la vache, des boucliers, en veux-tu, en voilà. Bah. Ah non. Bah merde. Ah non, j'ai pas de seringue dans mon... Tu vois, j'aurais cru. Ah. Oh merde, homme. Bon, bah non, il faut que je fasse les apparts avec les armoires en pharmacie dans les salles de bain. Ah, ouais. Oh. J'ai envie de dire le coup de bol, j'y crois pas. Le coup de bol, j'y crois pas. Ah, monsieur... Monsieur vient pour le gaz. Hop là. Ouais, sympa. Oh, il y a un fourgon de la police. Non, 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 non. Arme de corps à corps. Ah, j'ai désexcité. Attends, je vais aller sur le fourgon parce que... Histoire de pouvoir mater la rébellion, on va dire. Alors, je pourrais faire usage du bidon, mais il va se mettre à exploser et je vais en attirer d'autres. Donc, c'est pas vraiment mon but. Allez, hop. Hop, décapité. Oh, bah alors, c'est une écolière, là, ou quoi? Oui, j'ai l'impression que c'était une écolière, c'est horrible. Elle était en uniforme scolaire. C'est bon, j'ai la paix. Je peux trouver du matos de qualité dans le fourgon de la police. Bon, apparemment c'est pas la première moitié de la serrure. À moins que je me sois loupé. Ah, c'est ça. Presque. Wouh! Le cadeau. Le katana! Je vous avais dit que j'allais trouver un katana sous peu. Eh ben me voilà exaucé. Ouh, mon premier katana, je vais en faire une arme merveilleuse. Je vais l'optimiser pour que ce soit un carnage épouvantable. Et ben voilà, pharmacie. Hop là. Lumière. À moins que ce soit la pharmacie où j'étais tout à l'heure. Là, j'aurais l'air un peu con. Non, 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 non. C'est une autre pharmacie. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour la quête. Je peux rentrer à la tour. J'ai le matos. J'ai le matos de... Il faut vraiment bien ouvrir les yeux, aller en ville et repérer les pharmacies ou équivalents. Là, c'est bon. Je suis tranquille. On peut saluer la cohérence du jeu, quand même. La logique est implacable. Ah, il y a un survivant. Il est où? Il est là? Il est où? Ah, il est là. Ça va? Wouhou. Merci. Je vais vous dédommager. Ah, c'est bien, il est généreux. Il est généreux. Oh, il y avait un gars bonbonne de gage. J'aurais pu rigoler avec. Il est passé où? Ah, il est passé là. Il se promenait dans le quartier. Allez, viens. Boum. Ah non, je l'ai pas... Voilà. Là, il va faire boum. C'est rigolo. Hop là. Hop là. Hop. Ha ! Comment je me suis fait oublier ? C'était subtil, mais ça a marché. Ah!
merci. Calmos. Ah. Je crois qu'on s'est vu trop souvent. Je crois. Alors, la récompense, c'est cet homme qui fait les comptes. Des bandages, génial. Les gens adorent les bandages. Ceux qui en ont besoin, en tout cas. Les autres s'en fichent un peu. Mais le type qui vit en face de chez moi vient de se tirer dans le pouce et il va être très content d'avoir un bandage. T'aurais pas vu des pouces qui traînent dans le coin ? Quand il a tiré, son pouce est passé par la fenêtre. Ça ressemblerait à un nugget avec un trou. Non, ça te dit rien ? Écoute, si jamais tu tombes dessus... Tu nous sauves la vie. Ces fanas de café sont dangereux, hein. Crois-moi, complètement obsédés. Bon, bah voilà. J'ai fait les quêtes tertiaires de ravitaillement. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Tu m'étonnes. Sans moi, tu serais foutu. À vous. Je suis ton seul fournisseur. Ah là 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 là. Flèche incendiaire, j'achète. Vendre. Ah, quand même. Les autres babioles que j'avais sur moi par fourguer en mission quête spéciale, j'en ai presque pour 1000$. Ça se refuse pas. Alors là, ça commence, je pense, à être la pauvreté. Je suis obligé de revenir à la quête principale. Parce que je vais regarder un coup d'œil rapide à la carte, mais je crois que j'ai tout écumé. Écumé, tout rincé. Il me reste plus... Voilà, je répète ma crainte. Il me reste plus qu'en rouge les zones de quarantaine que j'ai pas faites. Et que je me vois faire hors antenne quand j'ai un peu de temps. Ça ira direct sur YouTube. Parce que les zones de quarantaine, c'est particulier à voir. Certes, il y a de l'action. Mais je suis souvent en échec. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais « die and retry ». C'est crever et recommencer jusqu'à réussir. Je sais pas si c'est intéressant pour vous de vous montrer ça comme galère. J'ai déjà fait une zone de quarantaine qui a duré 2h, 2h30 le temps d'une soirée. J'en avais bavé. C'était le rez-de-chaussée d'un immeuble. Moi, ma crainte, en allant à la suite de l'histoire principale où ils disent trouver le tunnel qui permet de quitter les bidons de ville, j'ai peur de perdre la carte là. Et ça veut dire que c'est autant de zones de quarantaine que j'aurais pas faites. Mais bon. En même temps, à force de tourner en rond, je finis par rincer complètement les zones au niveau des... Au niveau des... Ah oui, je vais y aller carrément de nuit, moi je suis fou. Au niveau des quêtes, voilà, je suis en train de tout épuiser dans le jeu, hein. Ça peut pas être illimité. Hop là, hop là. Toujours la même chose. Hop. Hop. Merde, j'ai failli me louper. Un peu court. Hop là. Hop là. Il y a toujours la balle là. Oh là là, c'est vertigineux. Je sais même plus où est mon objectif à force de gambader comme un marsupilami là. La fourgonnette jaune. Là, je peux remonter la rue paisiblement. J'ai même pas besoin de courir, y a personne. Ah. Subitement apparaît devant moi un boss. Oh. Surprise. Voilà, merci. Je finirais par croire que j'ai tellement, vous voyez, trucidé de zombies qu'il n'y en a plus dans la ville. On a l'impression que la ville a été désertée. Il n'y a plus que quelques rares excités, là, comme ceux-là. Mais les hordes de zombies, il n'y a plus, là. Je sais pas pourquoi. Pas trop que je tarde parce que les rapaces vont être de sortie. Allez, tu viens? Tu veux ou tu veux pas? Merci.
Oh, j'entends la respiration étouffée d'un mec à bonbonne de gaz. Ouais, je pense qu'il m'a repéré, cet idiot. Oui, il m'a repéré. Dommage. Allez, Ming. Ah bah, il est mort sans qu'il explose. Ah bah, c'est bien. Et du coup, qu'il soit tombé sur le bide, ça me donne la possibilité de tirer à distance sur sa bonbonne et faire diversion. Ça peut être fort intéressant. Oh la vache. Et ça joue au pixel. C'est au degré au pixel près. Dur. Ah, les serrures très difficiles, ça déconne zéro. Bon, bah au moins j'ai gagné ça. Merde, il y avait déjà des ondes barres qui se pointaient. Alors, la suite est par là-bas. C'est ce tunnel-là, c'est ça? Merde. Un excité qui me suivait, là. Il voulait demander un autographe, là, Miss. Ouais, non, il n'y a rien à récupérer. Oh merde, il va péter, lui. Boum. Oh, le gaz. Quelle horreur. Ok. Ouais, ouais, il y a vraiment moins de zombies. Hein. J'en suis persuadé. Hein. La ville qui s'est vidée de ses... même de ses habitants zombifiés. Ça fait bizarre. Bon, viens l'exciter, je t'ai vu. Oh, soleil. Hop là. Allez, venez. Madame la marquise. De l'efficacité du coup de pied, ne jamais négliger. Ah merde, mon arme est bousillée, faut que je la répare. Merde, j'ai pas le temps de réparer du coup. Il faut que je me soigne aussi. Merci. Voilà. Ça devient ridicule comme scène. Ah, ils sont sur le tunnel là-haut, là-haut. Ah ouais, mais là, ça va être sport. Alors, tu me diras peut-être qu'avec le grappin, je pourrais peut-être... Ouais, le zombie a eu le temps de cramer. Ah, sympa. Oh, crochetage difficile. Qu'est-ce qu'elle dissimule, cette super malle? Merde. Je suis loupé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais... Ouais, par où je passe? Par où je passe, par où je trépasse. Oui, des échelles pétées. Ok. Ce serait ce tunnel-là que je vais finalement rejoindre au début de la nuit.
fourgon de police, pourvu qu'il me... qu'il me repère pas. Merde. Trop tard. Trop tard, trop tard. Il va y avoir la nuit, c'est pas cool. Merde, ce qu'on va péter. Ça craint. Alors que la nuit va pas tarder à arriver. C'était quoi? Ah, je pourrais pas. Et voilà. Punaise. Casse-bonbon. D'ailleurs, je peux me re-soigner. C'est reparti pour un tour. Ah non, il va pas m'en remettre. Ah, c'est qui part par là? Merde. Concentration. Je stresse parce que je sais que la nuit va arriver. Oh merdoum! C'est agaçant. Ouh. Et c'est décevant. Vraiment. Bon, il n'y a rien dans les... Non, il n'y a rien. Bon, bref, c'est ce tunnel-là. Là où il y a Ray X d'indiquer, là. Mmh. Ah, il y a un autre fourgon de la police, dis donc. Rencontrer les sauveteurs dans le tunnel. Oh merde! Sérieux? J'aime bien rendez-vous dans un tunnel juste avant la nuit. C'est le moment où les rapaces sortent de là. Je vais me faire déboîter, vous allez voir. Ça va être un tragicomique. Ah bien, là par contre, là, j'apprécie la récompense. Merde, je viens de me brûler. Alors, les 10 survivants dans le tunnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouh, je vais avoir un coup de chaud là. Merci. Petit kit de soins. Oh, deux, c'est gentil. C'est apprécié. Oserais-je dire, ça me dédommage du fourgon de police qui m'en a fait suer et qui m'en a pas donné tant que ça. Ah. Merde. La nuit arrive. Mmh. Ah, un autre fourgon de la police. Merde. Oh oui, j'ai réussi. Oui, magnifique. Là, le gain est merveilleux. Ils sont vraiment dans les tunnels, les gars. Je fais trop de bruit, il faut que j'arrête de sauter sur la tôle froissée, parce que je fais un vacarme d'enfer. Il n'y avait rien au bout du... Ouais, il y a le bus, mais... Ah ouais. D'accord. Ouais, non, il n'y avait rien de rien.
Et B. Ok. Bon. J'ai retrouvé Senk. Au début, il avait pas trop envie de me parler, mais après lui avoir dit ce que j'avais fait à Rice, les sauveurs ont décidé de me filer un coup de main. Ils vont me faire passer dans le secteur 0. Qu'est-ce que le secteur 0? C'est une partie de ville zombifiée? C'est quoi? Je sais plus, hein. J'avais vu un let's play là de Fantai Bob, mais ça remonte à tant d'années. Je ne me souviens plus. Aller à Bidonville. Ah, apparemment j'aurais moyen de revenir sur mes pas. Ce serait apprécié. Ça veut dire que je peux me garder les zones de quarantaine. C'est bien. C'est bien. Waouh, l'endroit est bizarre. Toc toc. Vane? Oui, c'est moi. Enchanté. Je m'appelle Hassan. C'est moi qui vais t'aider à changer de décor. C'est toi qui a fait passer Jade? Qui? Elle est d'ici. Brune, mignonne, dure à cuire. Ah, peut-être. Je sais pas. On demande pas les noms. Ok. Et je pourrais revenir du coup ou pas? Ah, peut-être pas, merde. Ah! Et là, le mec, je me bats. Je lui fausse compagnie. Résistance. Avec le croissant de lune. Résistance nocturne. Waouh. Bah, je croyais que les zombies venaient des égouts. Ou alors il y a des portions qui ont été désinfectées. Ok, c'est une plante ça? Non, même pas. Alors attends, là il y a des survivants. Là ça mène quoi? C'est un cul-de-sac? Ouais, il n'y a rien. Regarde papa, c'est Monsieur Crane. Oh, c'est l'autre salopard, non? Ah oui, Dawood. Alors lui, j'ai deux mots à lui rire. Limite si je devrais pas lui mettre mon poing dans la tronche. Eh ben, je reconnais potentiellement certains, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Vilain, toi. Qu'est-ce qu'il veut me dire, Hassan? Ok, à partir de maintenant, tu es tout seul. Le chemin est indiqué, on reste en contact par radio. Bonne chance pour la suite, mon ami. Ok. On y va tiens, toujours. Tiens, le monde est petit. Dawood, on doit parler de ta situation. Désolé pour la chasse à la figurine, mais je ne voulais pas que tu me suives. C'est pas moi qui décide. Ces types sont plutôt sérieux au sujet de leur procédure. Ce n'est pas juste pour Salma. Salma et moi, c'est terminé. Tu es hors sujet. Alors quoi? T'as quelque chose en tête? J'ai encore un flingue, tu sais. Crane, nous avons une règle. Chacun s'occupe de ses affaires. Si tu ne suis pas cette règle, tu ne passes pas. Aucun problème. Ah là 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 là. Suivez le chemin qui mène au secteur 0. Attends. Ou alors je suis un débile profond ou... Attends, check. Ah merde! D'accord, ok. Je viens de mettre le pied sur la solution. Je comprends pourquoi il se mouille pas. Ok. Là, moi je cherchais en hauteur de quoi m'extirper, mais en fait c'était pas en dessous. Oh quelle horreur. C'était pas en dessous que ça se passait en fait. Ah bah trop aimable. Moi qui cherchais à passer par la porte.
j'ai le... Ah, j'allais dire j'ai... Mais non, mais... Hey, vous avez vu? J'ai plus le grappin. Ah, c'était considéré comme étant une zone sécurisée, donc j'avais pas le droit de faire usage du grappin. Oh là là là. Grappin. Merci. Voilà. Je pense que le secteur, c'est comme ça qu'on l'atteint. Je vérifie, est-ce que je loupe rien? Bon appétit hein, pour ceux qui vont commencer à passer à table. Comme le carillon vient de sonner les midis. Moi, je suis avec vous au moins jusqu'à 13h. Peut-être 13h30, je sais pas, je vais voir. J'ai pas spécialement faim encore. Et puis, je m'octroierai au moins une pause d'une heure pour déjeuner. Sûrement une heure et demie. Enfin, je vous préciserai tout à l'heure. Alors, attendez, il faut descendre par là. Grille fermée, j'ai accès à rien. Ah, intéressant. C'est une autre partie d'âne. J'ai pas accès à la carte du coup. Ouais, j'ai pas accès à la carte. Là, je suis dans un truc intermédiaire. C'est bizarre. Donc, je viens de là. Là, qu'est-ce que j'observe? Recoucou, une scène, bonne pause déjeuner. Bonjour le baron Lyle, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je reconnais la ville? Non. Ça me dit rien du tout l'endroit. Une partie d'Aran que je connais pas. Enfin, je crois pas. Troublant. Ah, tu parles l'échelle. T'as intérêt à être un athlète. On essaie de faire le ménage. Mais il y a peut-être des infectés par-ci, par-là. Ça devrait pas te poser de problème. Alors, coucou, super étoile, le sage et coucou Funfan. Alors Funfan, il va peut-être pas forcément réagir tout de suite parce qu'il est en pause déjeuner. Mais dans l'ensemble, on va bien. Hein, donc merci, c'est cool que t'ailles bien. Quelques zombies, il disait. Je vais leur faire le ménage. Oh la vilaine. Oh la vilaine. Ah, je l'avais même pas vu, tiens. Elle se confondait dans le décor. Attends, rassure-moi, j'entendais des cris, j'espère que j'en avais pas derrière moi. Ah, si, j'ai un super excité qui arrive. Hop, décapité, on n'en parle plus. Ah. Ah, ah, ah. Oui. Ah, elle est vachement bien mon arme, c'est cool. Ah, bah elle est pas morte. Mazette! À
Ah bah après ce que je lui ai fait quand même. Mais j'en reviens pas à quel point elle a résisté à mon attaque. Et ils sont coriaces hein, ces zombies. Mais qui c'est qui hurle à la mort là? Il y a l'air d'avoir une autre excitée dans le coin, je sais pas où est-ce qu'elle est. Oh, c'est chaud là. Ah! Alors, attends, je vois pas. Merde! Mon but n'était pas de tomber. C'était pas l'objectif. Wow! Eh oh, il va se calmer, Hulk! Ouais, non, là, je perds des balles. Faut que j'arrête, parce que les balles sont précieuses. Ah, alors... Mais je suis en train d'aller dans les flammes avec ces âneries. À force qu'ils me poussent, t'abruti. Oh là là. Oh, il m'a balancé sur la carcasse en feu. Voilà, elle, j'ai carrément encastré sous la bagnole. C'est pas plus mal. Ouais, c'était une variante de zombie boss, là, qui était verdâtre. C'est pas de bon augure, je crois. Mais c'est bien au moins le bestiaire varie. Oh la musique. Eh ben dis donc, il se mérite le secteur 0, je vous le dis moi. Oh là là, je l'ai pas vu. Allô la malheureuse. Avec les effets de lumière, de flotte, tout ce que tu veux. Alors, j'ai l'impression que c'est moi vie réelle, vous savez, quand je porte mes lunettes, mais qu'elles sont crades et que je viens de me prendre une projection de je sais pas quoi en flotte dans la tronche. Ça fait même effet, vous y voyez plus rien. Pour ceux qui portent pas de lunettes, vous voyez... Ah oui, l'arme est brisée. Ouais, d'accord. Arme suivante. Merci. De l'intérêt d'entretenir ces armes. Ah, pas de poursuivant, pas de poursuivant. Lui, par contre, c'est un dur à cuire. Je les ai tous dépouillés, les malheureux, là. Alors, l'arme là, foutu pour foutu, je vais la démonter. Ce qui laisse la place, ah le katana. Je le préparerai plus tard le katana, comme j'ai déjà une arme de préparer par avance. Mais, l'instant katana va arriver plus vite que vous ne croyez. Oui, calme-moi, l'excité. Oh, c'est devenu Madame Matelas. Elle s'est tellement bien encastrée dans le matelas que je peux même pas la fouiller. Ah, soupir. Alors, bagage. Là aussi. Oh, des munitions. Magnifique. Oh, une malle serrure difficile. Le cadeau doit être d'importance. Et devrais-je dire de circonstance. Tant pis si j'y laisse quelques crochets. Ah ah ah. C'est quelque part par là. Merde. Merdoum. Je vais y arriver. Bah merde. Oui, c'est ça. On y croit. Magnifique machette, l'amélioration roi.
qui ira justement possiblement sur le dit katana. Alors ça c'est intermédiaire, mais il peut y avoir des bonnes surprises au niveau des serrures intermédiaires. On va le voir. Hop là. Bâton cruel, ouais. C'est une arme. Ah, il y a un bouquin. Oh, magnifique. Ça, c'est un beau cadeau. La bonbonne, là, dans l'immédiat, je m'en fous un peu. Il n'y avait rien d'autre à prendre, visiblement. Là, c'est plafonné. Ouais, c'était une planque. Ah oui, il y a égout. C'est limite si je pourrais pas m'extirper par là. Mais bon, je suis visiblement épais. Mais j'aurais eu la taille fine, ça aurait été une possibilité. Alors, je m'échappe en hauteur, je crois. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oh mince! Ah, tu parles dans cette fosse écœurante. Tu m'étonnes qu'il y a un zombie spécial. Je suis littéralement dans la fosse à Purin. Ah, je me disais bien que j'avais vu un truc. Ah, ouais, non. Alors là, il faut chuter par-dessus parce que... Voilà, surtout que c'est cadeau, il n'y a pas de verrouillage. Oui, voilà, la récompense, en fait, ici, c'est simple, c'est l'observation. Hop, 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 hop. Et c'est quand même une sacrée traversée là, je voudrais pas dire, mais j'ai déjà fait plus d'un kilomètre en sous-sol hein. Où est-ce que je suis? Bizarre. Zone intermédiaire qui a l'air d'être plutôt... Oh, la descente! Désolé, mon pote, mais j'ai pas trop le choix. L'autre gars me tient par les couilles. Pardon? Hein? Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas le choix. Je suis désolé. De quoi il parle? Merde, c'est con qu'il y ait une bagnole. Mais où est-ce que je suis? Vous de Dieu! Eh ben, c'était du solide. Ça n'a pas été ouvert depuis des mois, là. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je descends tout au fond du trou là, c'est l'enfer. Mais c'est quoi cette descente de ma boule? Oh là là. Ouais, ça glisse, hein, on est d'accord, hein, je peux pas revenir. Bon. Ah, Burke. Ne me dis pas qu'il fallait... Quoi? J'ai eu droit à un comité d'accueil. On se bouge. Ah, je commence à comprendre le scénario. Le mec qu'il avait à la radio, c'était un gars de Rice. Et en fait, ils veulent régler mon compte. Je viens de comprendre. Donc en fait, ils ont voulu m'amener là pour me liquider. Ok. Ah bah c'est bien, j'ai plein de munitions. Donc je vais pouvoir me la jouer à la Rambo. Alors, j'ai intérêt à vite me barrer. Oh les salopards. Oh non mais c'est dégueulasse. Il me tire dessus comme un lapin. Comment je peux faire pour leur échapper les gars?
Parce que la situation est désespérée. Pour ne pas dire désespérante. Attends, mais comment j'échappe au mec? Bon, alors faut que j'aille à un angle. Je peux pas. Si, je peux pas monter sur un. Non, mais je suis mort là. Là, des points de survie, je vais en perdre énormément parce que. On est à la limite de l'anti-jeu dans le scénar. Po. Alors attends. Oh non mais c'est impossible. Surtout que je peux pas tirer quand je suis dans la flotte forcément. J'aurai jamais le temps de tendre mon arc pour les quicks. Donc gros point d'interrogation. Ah ouais, tu parles, ils sont en face de moi. Bizarre. Bizarre. Faut que je me retourne, il faut que je fasse quoi? Il me mitraille. Vous voyez, il me mitraille tellement généreusement qu'avec l'effet état de choc des balles qui me transpercent, j'ai ma vue qui trouble. Donc je peux pas repérer les lieux. C'est vraiment pénible. Oui, je peux pas passer par là, on est d'accord. Si? Attends. Je me suis délibérément jeté dans l'eau. Est-ce que j'ai un gain ou pas? Non, c'est pas le même bassin. Hein. Attends. Non. Non, c'est pas du tout le même bassin. Hein. Je suis obligé de passer par le tuyau. Merde, c'est pas le bon. Ah, oh, c'est quand même dingue cette histoire. Comment je leur échappe? Je comprends pas. Bah des points de survie, j'en ai plus. Hein. Je vais me retrouver le compteur à zéro parce que... Qu'est-ce que c'est que ce bazar, pour être poli? J'essaye de me grouiller, mais... Attends, mais ils sont partout, les mecs. Ouais, mais je vais crever par manque d'oxygène, moi. C'est pas possible. Et puis je peux pas me soigner dans la flotte. Voilà, il a une apnée, c'est un miracle. D'accord. Ok. Mais il y a d'autres zones à fouiller? Non, c'est fermé. Non, c'est fermé, il n'y a pas de... Ok. Donc là, je vais pouvoir me soigner. Dur. Bon, alors, je crois savoir que la peur va changer de camp. Enfin, si on peut parler de peur. Peut-être pas besoin de me déclarer avec la lampe torche. Encore que c'est pas mal son nom. Bon, ils sont pas là. Bizarre. Ah bah ils sont là les moustiques. Par ici. Qu'est-ce qu'ils font? Allez les gars. Je sais pas ce que je voulais faire, je voulais zoomer. Non, je vais y aller avec mon arc et mes flèches explosives, elles sont plus efficaces. J'aurai plus d'efficacité avec. Allez, présente-toi mon gars.
Ça va être en fait. Voilà, c'est plus rigolo comme ça. Ah dommage, j'aurais dû me soigner d'abord. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mec qui me débusque de aussi rapidement aussi près. Alors j'espère que je vais pas me recoltiner le tuyau avec le glouglou là. Parce que c'était pénible. Merci, je préfère. Comme on dit, c'est apprécié. Parce que sinon, dur. On sait bien, j'ai ma petite phase Rambo comme j'aime. Possible. Attends, ça me laisse le temps de me soigner, c'est cool. Par contre, attention, je perds pas mal de flèches. Ah, fusil militaire. Ah, c'est surtout les cartouches qui sont... Ça vaut de l'or. Alors, j'ai la chance d'avoir un bon flingue. Je sais plus comment je l'avais obtenu, mais merveilleux. Et c'est les munitions qu'il faut précieusement gérer. Oui, bah ouais, il y a inventaire plein, là. Je vais peut-être arrêter de... oh là là, quel épouvantable carnage. Est-ce que je me débarrasse de trucs dans mon inventaire ? Non, j'ai que des trucs de qualité, j'ai envie de dire. Merde! Alors ça, c'est le problème du menu. Quand vous naviguez dedans et que vous avez l'arc, vous voyez ce qui s'est passé? L'accident ridicule. Ah. Il y a des cadeaux. C'est merveilleux. Ah, bon app pour ceux qui sont à table. Ouais, je pense que je vais rendre mon antenne d'ici une grosse heure. Parce que j'ai pas encore spécialement faim. Oui, j'étais arrivé par là. Pas mal les logos. Les locaux, pardon. Imaginez concernant les égouts. Oui, non, inventaire plein. Alors attention, ici c'est nouveau. Gare au comité d'accueil potentiel. Et à mon avis, je vais en avoir un. D'ailleurs, je me demande s'il serait peut-être pas bon de rester au flingue. Un tel corridor, c'est surprenant que j'ai pas de visite. Alors, j'irai pas parler jusqu'à une arène de boss. Mais... Tiens, c'est dingue comme cette scène me rappelle Fallout 3. Il y avait une quête comme ça, avec des égouts, quasiment la même ambiance. Enfin, vous me direz, quel jeu vidéo n'a pas son niveau dans les égouts? Tellement un classique vidéoludique, ce lieu. Oh! Bah, on est à Moulin Star, là, c'est le château de Tintin.
Ça fait bizarre de voir une bâtisse pareille en vieille pierre. Bah alors ? Pour une surprise, c'en est une. Je suis dans la cave à vin là ou quoi ? Tout à fait, tu dis, là, Zmoquette. Eh, je réactive la lampe torche parce que là, il y a des trésors. Waouh. Non mais, eh, sans déconner, je suis dans les sous-sols d'un château, là. Ouais, sort de ma cave. M'en parle pas. Waouh, c'est quoi ce zouk? Oh. Dommage, à la base, c'était un beau vaissellier. Dommage, dommage. Oh, le beau coffre. Oh. Lolo. Qu'est-ce que... Oh. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu risques de trouver des choses que tu ne voudrais pas. Oh mon dieu. Waouh. Mais j'ai vraiment peur de pas pouvoir revenir au bidonville. Et de pas. Je vais regretter de pas avoir fait les zones de quarantaine. À moins que le jeu me propose un subterfuge sympa. Bien pensé pour entre guillemets revenir dans la zone première, mais j'y crois pas. Je suis pessimiste. Je pense avoir franchi un point de non-retour. Putain, ils sont où? On est censé les attendre encore longtemps? Autant qu'il faudra, calme-toi. T'as autre chose à faire? Apprécie un peu le calme. Ouais, avant la tempête. C'est les mecs de Rice ou c'est moi? Si, si, ils sont en jaune, c'est les gars de Rice. Qu'est-ce que je fais? Je les zigouille? Oh, je pourrais pas passer sans me faire repérer, je crois pas. C'est trop tentant, hein. C'est trop tentant. La 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 la. Il va sauter de joie. Ah oui, il saute de joie, le mec. Voilà. Draken, tu me reçois? Ici Crane. Comment ça va, Crane? Ça saute. Tout le monde de se méfier des sauveurs. Ils m'ont vendu à Rice. Un peu plus et j'y restais. Putain. J'espère que ça va. Contacte Troy quand tu arrives dans Secteur 0. Elle est la seule qui peut te filer un coup de main. Ouais, c'était mon idée. Souhaite-moi bonne chance. Avec Miss Troy. Je suis à la limite de me dire je vais me prendre un kit de soins parce que... J'ai la barre de vie qui est... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un monastère? Non, c'est pas possible. Oui, inventaire plein. Je peux pas revendiquer son matos, mais c'était un resto. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, ça, c'est dégueulasse. Le mec, il a giclé sur la table. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Étage supérieur, j'ai compris. La suite est par là-bas. Attends, je vais faire le tour de l'étage supérieur pour peu que j'ai un... Mais attends, mais il y a des... Eh, il y a des... Eh, oh là, eh, oh, oula, il y a plein de choses à visiter ici. Tiens, j'avais même pas vu le bidon d'explosif. Oh, il y a de l'informatique par là. Alors attends, c'est sur la voie suivante, la suite. Je trouve qu'il y a un peu une atmosphère à la... Merde, comment s'appelait ce jeu? Pareil, un jeu de tir. Qui était réputé violent à l'époque où il est sorti, mais d'une grande précision dans le carnage. Le Soldat de Fortune. Soldier of Fortune. Et ça... Niveau ambiance, ça me rappelle quelque chose de similaire... Attends, mais par où faut que je passe, moi? Oula, il y a beaucoup d'escaliers. Attends. Je vais d'abord fouiller la pièce que j'ai repérée qui m'intrigue énormément.
Tu disais quoi? Comme un ou deux corps, oui. Oh, n'importe quoi. C'est la voix française de Shemar Moore. Alors, vous êtes très fort au niveau de la reconnaissance des voix. Au niveau des doubleurs. Moi, j'en suis incapable. Je suis pas cinéphile. Donc, vous me donnez des noms. Voilà, ça me parle pas. J'ai déjà du mal à retenir le nom des acteurs célèbres. Alors. Mais non, mais c'est bien. Bon, bah là, il n'y avait rien à... bizarre. Ah. Oui, j'allais dire tout ça pour ça. J'ai quand même gagné une corde, hein. Je vais pas m'en plaindre. Ah, une corbeille. Il y avait un crochet dedans. La salle informatique, il n'y a rien dedans. C'est quoi ce fichier? Épidémie sous contrôle. Oui, bien sûr. Tu m'étonnes que l'épidémie est sous contrôle. La 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 la. Donc il faut que je passe par au-dessus. Ok. Ouais, c'est vraiment des locaux bonus. Mais... À part un petit centre de crise improvisé, j'ai que puik. Quoi? Ah oui, il y avait une autre corbeille. Je me disais, mais pourquoi j'ai une interaction proposée? Est-ce qu'il y avait une autre corbeille? Bon, bah, je vais pas trop traîner, bien que je trouve le lieu joli. Ça a son charme. Bon, je suis pas non plus là pour acheter, mais... pourtant, il est célèbre et beau gosse. Oh non, mais ça, j'en doute pas, mais... c'est pas mon univers, hein, la race moquette. Faut pas être choqué là-dessus. J'en ferai bien mon 16 heures de ce monsieur. Ah, nouvelle zone. Est-ce que c'est la fin de mon calvaire? Ces salopards travaillent avec Rice. Ils m'ont tendu un piège. Pour un peu, j'y restais. Ça m'apprendra à faire confiance aux gens. On coule pas. Fun. Oh! Ah, c'est bien la deuxième partie de la ville. Alors c'est bien, c'est un nouvel espace de jeu qui s'offre à nous. Jade, ici Crane, tu me reçois? Jade! Ici Crane, tu me reçois? Merde. Bon, je vais laisser faire. C'est les beaux du coin. Nouvelle architecture. Crane, tu m'entends? Crane, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver? Tu es ici, dans le zéro? Excellent. Tu as vu deux tours, une plus grande que l'autre, avec des échafaudages partout? C'est notre perchoir. Mets le cap dessus, on t'attendra. En face, d'accord. Un peu de tourisme, tu m'étonnes. Docteur Camden, vous me recevez? Ici Crane. Camden, vous me recevez? Crane? Oui, je vous reçois. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans le secteur zéro. Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. Ah merde. À ce propos, docteur, tout va bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Pas encore, docteur. Je dois récupérer Jade et les notes de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Craig. D'accord. Hein. Oh. Il préférerait prendre un chapin. C'était quoi ça? Oh la vache! C'était un escadron d'avions de chasse. Ouh, je sens que ça va être sport, le fait de rallier la tour où ils sont. Je vais éviter de faire le mariole parce que je suis en terrain inconnu là.
Oui, non, inventaire plein. Puis de toute façon, c'est une arme de jet. Ouah, c'est dangereux de... Oh, oh. Boyoul. Madame. Voilà. Oh, il y a du monde sur les toits ici. C'est vicieux. Il y a... Ah oui, j'ai l'air de merde. Il a gardé sa tête. Ça craint. Voilà. Donc. Il n'y a pas des tuiles qui se détachent. Ça va, je peux pas glisser et me tuer en contrebas. Ce qu'on pourrait croire, vu la configuration. Ça me rassure pas, mais bon. Du coup, je sais plus. Je voulais vous faire part de ma réflexion par rapport à la situation dans laquelle je me trouve dans le jeu, mais je sais plus. Alors, dire que le bidonville me manque déjà, je vous mentirais. Parce que c'est vrai qu'il y a l'attrait de la nouvelle zone, mais... Oh là 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 là. Oh là là. Bah alors là, madame. On pensait être élitroyé. C'est moche, hein. C'est moche. C'est... Bravo. Franchement, les concepteurs... D'avoir imaginé une autre carte avec une autre atmosphère, une autre architecture. Là, j'ai l'impression que je suis passé de la Turquie à Portugal-Espagne, je sais pas. C'est... Enfin, je connais pas les styles architecturaux dans le monde, mais il y a combien de zombies sur les toits? Il y en a plein, en fait. Ça craint qu'on se promène dans la rue. T'as besoin de nouveaux matos. Les zombies vont me tomber dessus, littéralement. Il est où le monsieur vendeur, la trade? C'est là que ça se passe? Malin. Malin, le mec. Flèche incendiaire. Ouais, je veux bien. Merde, ah non, j'ai plus d'un... Alors, c'est bien, ça veut dire que je suis au taquet. C'est une bonne nouvelle. Non, attends, oula, que je clique pas n'importe où. Alcool, plastoc. En matos. Oh, 2000 dollars et quelques de broutilles qui ont de la valeur. Oh, merde, j'ai failli le décapiter. Ah, c'est traître, hein, le coup du menu avec la souris. J'ai un coup qui part gratos. En sortant du... Hop, 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 hop. Oui, ils viennent tout seuls. Il m'a fait peur. Faut pas être cardiaque. Wow, je demandais pas à ce qu'il illustre mon propos aussi rapidement. On est en sécurité nulle part, en fait. Pizzeria. C'est ce que je vais manger à midi, en plus. Il y a une pizzouille qui m'attend. Ça va être mon plaisir du jour. Oh, il y a des graffitis, il y a des trucs... Enfin... Il y a de l'art de rue, là, stutard. J'aime beaucoup. Bonne nuit. Oh, c'est beau. Oh, c'est un arc de triomphe, presque. Presque. Bon, allez, je suis en train de me planter de zone. Oulala. Là là. Ah ouais, non mais là c'est carrément un... Oh. Oh, va y en avoir des statuettes. À récupérer, va y en avoir. Oh merde. Oh non, il est mort. Quand il dégobille comme ça, c'est qu'il est... Oh oh. Alors, on s'invite sur le balcon, Miss Promotion Canapé, là. Ça parle mal. Oh oh. Et les décors... Et... Alors, les décors sont d'une richesse et d'un détail. Ça, c'est une table orientale de... Comment on appelle ça? En céramique, là. Il y a une chicha, voilà, chercher le nom. Oh là 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 là. Oh là là, c'est beau. J'aime beaucoup. Pardon, je vois que ça bouge dans le chat, je vais vous lire. 30 secondes. Miss Promotion Canapé, ouais. Non mais je suis mon vilain quand je dis ça. Mais en même temps, elle avait pas à me bondir dessus... Ma kleptomanie va reprendre de plus belle, là, c'est... Oh là là... J'aime... Et les coffres sont d'un standing.
On voit qu'on est passé le niveau au-dessus. Mazette. Même les meubles. Le bois, l'essence de bois est plus noble. Noble, pardon. Pas snob. Ah, je sais plus où mettre les yeux ni les mains. Waouh. Ah, je suis émerveillé. Attention, les chiottes, il va y avoir un zombie dedans. Non, c'est bon. Magnifique. Vraiment. Oui, donc je voulais passer en face, moi. Je veux pas... Je m'amuserais à me faire une... Merde, je me suis trompé, c'est la lampe... Oui, c'est le grappin qu'il me fallait. Je vais faire mon Batman, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais m'amuser à me faire une session cambriolage un de ces jours. Ça va être un régal. Ça va être un régal. Oui, c'est bien par là-bas qu'il faut que j'aille. Et la nuit va bientôt arriver. Eh, c'est haut! Non, là, et Crane, il va se tuer, là. Oh! Un petit fanion récompense d'avoir visité les hauteurs. Bon, bah, il va se péter les deux chevilles. D'accord. Ah, parce que c'est... Mais non, c'est pas... Oui, madame, venez. Adieu, madame. Hop là. Crane, c'est Tobias. J'ai un nouvel atelier dans la vieille ville. J'ai super cool. Bien avancé sur la machette. Ah! Ça m'intéresse, sa machette ultime. Ça m'intéresse. Oh la vache! Ah! Laisse tomber, madame, laisse tomber. Bon. Coucou! Et but! Eh, c'est sympa! Ça doit pas être trop difficile à entretenir, ce genre de petit bassin. Pour faire trempette quand il fait chaud, c'est le luxe. Oh là là, quel cauchemar. Oh oh. Bon, Yul, c'est le factol. Oh. Oh, qui c'est qui tire à la mitraillette? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas fouillé la pièce principale que je déverrouille déjà la suivante. Ah, c'est l'armoire. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gars? C'est en contrebas que ça se passe. Ah, c'est les gars de Rice qui font muse, c'est ça? Non. Attends, je veux pas... Hop là. Ouais, c'est les gars de Rice. C'est pas des gentils, les gars là. C'est pas des gentils. Bon. Il y a une valisette, mais... Ah, tu me diras... Bah non, je suis bête, j'ai mon grappin. Je vais pouvoir remonter aussi vite que je le souhaite. Avant la tombée de la nuit. Mais par contre, c'est comment je descends sans me faire mal. Alors, je vais arrêter avec le flingue. Il n'y en a pas tant que ça, je vais peut-être pouvoir me les faire. Mais j'atterris où, moi? Aïe! Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, bonjour, monsieur. Voilà, nickel. C'est quoi, la... Ah oui, c'est ça, la récompense. Merde! Je croyais que je l'avais décapité. Bah non, faute. Mais
Je suis en train de... Merde, il y a un mec qui me mitraille. On se calme, les super zombies. On se calme. Attends, mais... C'est quoi ce délire? Merci. C'est horrible, cette scène est atroce. Mais au moins j'ai survécu. C'est quoi, c'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est du matos qui était normalement attribué à Rice. Tant pis pour l'appart, hein, j'aurai l'occasion de le refaire. Ah bonjour Pop and Ripop, pardon. Je suis tellement pris dans mon action que je vois même plus ce qui se passe dans le chat. J'espère que tu vas bien Pop and Ripop. Merci à toi de venir faire un coucou. Qu'est-ce que... Bon, merci. Ah, c'est apprécié des kits de soins. Je vais reprendre de la hauteur parce que... Avec la tombée de la nuit... Oh... Pas de zombies sur le toit? Ouais, faut que je me prodigue des soins. Hein. J'ai à peine un tiers de ma vie là. S'il y a un bon zombie qui me met le grappin dessus, ou si je me fais mitrailler par les gars de Rice, je suis mort. Ouais, moi je vais bien. Toi ça roule, c'est cool. Ça fait plaisir à lire, génial. Là je m'éclate encore un petit peu moins d'une heure, on va dire une grosse demi-heure à Dying Light. La nouvelle zone que je découvre, les yeux ébahis. Tant elle est belle. Wow. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, il va se passer des trucs. Oui, je m'en sors. Alors, j'avance très lentement. Je pense que la première zone dite du bidonville que je viens de quitter ce matin, à part les zones de quarantaine, dont j'en ai fait qu'une seule, j'ai dû quasiment tout écumer. J'ai fait toutes les quêtes, je crois. C'était quoi ce bruit? Il y a quelqu'un qui s'est défenestré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il s'est passé un truc là. Ah mais c'est pas vrai, le marjon l'excité. Voilà, au revoir madame. D'accord. Ok, il y a de quoi faire mumuse. Je vais... Non, je peux pas tricher au grappin. Ouais, oh, c'est vrai que j'abuse, y a pas besoin. Oh, oh, oh. Je cauchemarde ou c'était les premiers? Mais non, il fait encore jour. Ça peut pas être un rapace. C'est pas possible. C'est quoi le signe en bas? J'ai un signe bizarre au niveau de la carte de jeu. Enfin bon, bref. Oula, je vais me casser la figure, moi. Visiblement, je suis interdit de grappin. Je suis interdit de grappin. Eh, oh, c'est là où je me dis, ceux qui bossent dans le bâtiment, ouais, travaux publics. Je m'appelle Michael. Troy t'attend dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Craig. Oui, enchanté, mon gars. Ceux qui bossent dans les travaux publics, où je pense par exemple à, je le salue, Chris Golgoth. Qui fait le ninja sur les pylônes pour qu'on ait l'électricité, la 4G, tout ce que vous voulez là, au niveau confort technologique. Moi je dis GG, bravo à eux. Hein. C'est pas du tout un métier pour moi, mais alors pas du tout. Alors le beau gosse. Ah d'accord, on passe par le volet. Ah c'est rigolo. Craig, c'est trop bien. Moi c'est Savi. T'as besoin d'un truc technique, tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez. Viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane, ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vue? Est-ce que tu sais où elle est? Jade, ici Troy, tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais... Les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok? J'ai été envoyé par le GRE.
J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Tu mens ! Jade ! Jade ! Merde. Crane, la dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, oui, tu dois la retrouver. C'est drama. Alors du coup, quelle heure il est dans le jeu? Ah bah c'est le petit matin. Ok. Bon, il n'y a jamais eu une nuit. Je sais pas. Là, c'était 100% scripté, visiblement. Sympa la tyrolienne pour redescendre dans les... Oh, le bordel. Parler à Jade à l'université. J'ai pas droit à des quêtes secondaires, déjà? Ah si, ils me disent des quêtes rejouables. Ah! J'aurais qu'à cliquer pour... Oh, bah c'est génial! Bon, ça va, je suis rassuré. J'ai pas perdu mes joujoux futurs. Ça va, le jeu est bien fait. Je suis content. Du coup, je suis très content. D'autres études. Ah ah, humour. J'ai contacté Jade et lui ai dit que je bossais pour le GRE. Elle veut plus me parler. Grâce à Troy, je sais où elle est. Elle est à l'université. Ah, la nouvelle zone à découvrir. Qui a l'air pas mal. Qui a l'air plus exiguë. Ouais, elle est moins grande que la première, que le bidonville. Mais tout a l'air bien compacté. Oh, le bonheur. Les petites maisons rouges. J'adore démarrer par ça. C'est autant de planques à déverrouiller. Eh, hey, il y a pas mal de boutiques. Pardon. Je suis en train de faire mon rototo. Le parachutage, bah c'est celui que j'ai récupéré là en arrivant, non? Mais elle est pas loin, la miss. Oh, Saul Goodman, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, c'est cool. Ouais, bah ça va bien, merci. Là, je suis en train de m'éclater dans la nouvelle zone du premier Dying Light. Il faut que je prenne mes repères. J'accepte la tyrolienne. Attends que je me casse pas la figure. Oh! Encore les avions de chasse? Oh oh! Il y a un loustique en face, faut faire gaffe. Tu as de très bons souvenirs avec cette deuxième zone. Cool. Alors déjà que j'ai adoré la première, qu'est-ce que ça va être là? Mais qu'est-ce qu'ils font les militaires? À quoi il joue? C'est un mec avec qui je peux parler normalement, le gars en bleu. Bizarre. Il y a une zombie. Crane, c'est Troy. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. C'est une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jade. A plus, Crane. J'aime bien si le... Je peux te donner un conseil. Essaie d'éviter autant que possible les infectés, ok? Ils ont toujours été dangereux. Mais maintenant, ces enfoirés sont plus costauds que jamais. Le virus a fait son œuvre dans la durée, tu m'étonnes. C'est devenu des magnifiques... Quelqu'un m'entend? C'est Dawood. Je suis avec un petit enfant. On a besoin d'aide. Mordu. Je me transforme, s'il vous plaît. On est dans un immeuble résidentiel, en face du chantier, dans le quartier du Recoin. Je vous en supplie, aidez mon fils. Pas assez cher, mon fils. Eh ben, mon malheureux, le quartier, la ville, ici est tellement riche en bâtiments que pour se repérer, bah bonne chance. Mais... Oh, je n'ose imaginer le nombre d'heures de boulot pour modéliser, texturer tout ça. Non mais regardez-moi ce chef-d'œuvre.
Oh là là. Oh, la piscine de la place publique qui est ensanglantée, c'est horrible. Ah. Oh oh. Burp. Ah, loupé. Dialos. Plus trop de souvenirs des missions, mais l'environnement de ville m'avait beaucoup plu. Oui, moi aussi, j'y adhère totalement. Alors attends, j'essaie. Oh oh, oh, il est au-dessus de moi, lui. C'est, ça sent pas bon. Est-ce que. Oh, il est extraordinaire. C'est un athlète. Oh. Oh. C'est horrible. Ah, c'est dégoûtant. Oh. Il se jette des toits, ça fait flipper. Un instant d'égarement peut vous être fatal. Et but. Idem. Allez hop. Deux pour le prix d'un. Non, je peux pas. Est-ce que j'ai un avantage? Non, peut-être pas aller là-haut. Enfin, tu vas. Ah si, il y a une tyrolienne. Attends, l'université, c'est pas ça? Putain, il y a encore une caisse en bas avec les hommes de Rice. Oh, mais il y a trop de trucs à faire. C'est merveilleux. C'est d'une ivresse. Attends. Un grappin. Ouais, je préfère. Voilà. Voilà, j'ai bien ciblé, je me suis pas fait bobo. Elle serait là-bas, Miss Jade. Oh, magnifique. Ah, l'université d'Aran. Waouh. Il doit y avoir un hôpital, c'est pas possible, c'est le secteur des riches ici. Il doit y avoir un hôpital dans le coin. Je n'ose imaginer. Oh, c'est beau. Waouh. Waouh. Oui, c'est pour faire de la chimie là, c'est pas pour prendre un bain. Hein. Mmh. Attends, l'entrée est par en dessous. Par là? Bah non, c'est pas logique. Non, non, c'est plus bas. Je vais me faire bobo, vu la configuration des lieux. Je vais me faire bobo. Oh, doit y avoir de ces trucs à droite à gauche, je n'ose imaginer. Même 8 ans après sa sortie, le jeu resterait beau. Ah oui, 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 non mais... C'est... Waouh. C'est un régal visuel. Rien que sur ce plan-là, c'est... Non mais je n'ai cesse d'être dithyrambique dans la critique pour ce jeu. Merde. Pardon, je me fais... Attends. Je vais lui régler son compte. Il m'a bien entamé, le salopard. Ah, ah, pigeon. Ils ont même pensé au pigeon mort. C'est terrible, quand même. L'entrée de l'université se fait par où? Je suis obligé de passer par le rez-de-chaussée? Bizarre. Ah, quelqu'un de sensé, du moins j'espère. Salut toi. Excuse-moi, je cherche une nana appelée Jade Aldemir. Brune, cheveux longs, dur à cuire. Ouais, je l'ai vu parler à je sais plus qui là-bas. Merci. Il boude là ou quoi? Oh. Jade, t'es là? Tu es qui? Tu veux quoi? Hein? Aucun signe de Jade. Excuse-moi, tu peux m'aider? Je cherche une jeune femme, brune, fine, du genre à passer sans merder. Elle s'appelle Jade Aldemir. Tu oui. M'étonnes. Elle était ici. Tu l'as loupée de peu. Elle est restée là assez longtemps à faire la gueule. Et puis, elle est partie. Oh putain. Elle t'a dit où elle allait? Non. Mais tu es Crane. Elle a laissé ça pour toi. C'est Amir. Pourquoi elle m'a laissé ça? Bah, je sais pas trop. Mais elle m'a dit de te dire une fois, mais pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Mmh. Dernière chose. Oui. Tu te sers de fusil? Oui. Si oui,
Il faut que t'ailles voir notre armurier, Rupert. C'est un as. Il peut fabriquer une arme à partir de n'importe quoi. Un silencieux me serait plus utile. Mais je le trouve où, ce Rupert ? C'est un peu le souci. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans son atelier. Et c'est son appartement. Ok, je vais voir. D'accord. Alors, je commence à récolter les quêtes. Wow. Ah, vendeur. Cool. Ouais, ouais, il est 13h, comme tu dis. Ouais, je joue encore un quart d'heure, 30 minutes, et puis je vais vous faire un relais de chaîne. On se retrouvera vers les 15h, le temps que je déjeune paisiblement. Je vais prendre des nouvelles de la famille. Flèches électriques. Pas mal, pas mal. Ouais, 3 000 $ et quelques de matos. Oh, je frôle les 100 000 $. Je sais pas si c'est un succès caché. Mais je m'approche de la... de ce butin symbolique. Eh ben... oh, petit gamin. Ha ha ! Comme la petite fille à la tour lui dessine quoi ? C'est Mimi. Moi, je suis Mimi. Un parent avec sa petite fille, apparemment, qui rentre de l'école. C'est mignon. Crane, content de te revoir. Wow. Spike ! Putain, comment t'es arrivé ici ? J'ai eu du mal. Enfin, Brecken te passe le bonjour. Alors, à partir de maintenant, je ne bouge plus d'ici, ok ? Tout ce que j'avais pour toi au bidonville, je peux te l'avoir ici aussi. Hésite pas. Ouais, okay. Merci, Spike. Pas de soucis, mec. À la prochaine. Cool! Tu m'étonnes, ça fait du bien, c'est réconfortant de voir des visages amicaux et des partenaires de guerre, là. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux tout savoir. Oh là là. Ah, il a une radio. Il essaye de. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous fait en physique-chimie? Attends, je vais peut-être faire... ah non, je peux pas fermer la porte. J'allais dire, c'est peut-être pas pour le gamin. Wow. Oh. Nuée verte. Sympa. Non, il y a rien, là. J'ai pas le droit d'y accéder. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, FunFan? Après le relais de chaîne, je reviendrai pas du tout de suite. Je reviendrai après ce que tu as à faire de... ce que j'ai à faire en privé. Oui, non, mais y a pas de souci. Je reviendrai pas si vite que ça, FunFan. Par rapport à voilà, prendre des nouvelles de ma famille, j'y tiens en début d'après, manger mon morceau de pizza, recoucou une scène. Et je pense que je reviendrai pas avant 15h sur Twitch, je suis pas là pour courir. Et t'en fais pas pour si peu. Ouais, peut-être une pizza à l'ananas, une hawaïenne avec jambon. Non, c'est pas ça que j'ai acheté, mais c'est vrai que j'aime bien les pizzas sucrées salées. Oh, joli, regardez-moi ça comme c'est beau. Wow. C'est de l'art, messieurs, dames, c'est de l'art. Eh, même la... magnifique. Vraiment magnifique. Oi, 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 oi. Ramasser la prime. Oui, c'est la même chose que du côté du bidonville, ok. Ah, je peux ouvrir la porte et me barrer, en fait. Eh ben, elle est sympa, l'université, dis donc. Ouah. Oh. Contenu requis non installé. Ah bon? Bah, je croyais que j'avais... toutes les extensions. Bizarre. Faudrait que je regarde mes fichiers de jeu. Je croyais que j'avais acquis la version de luxe. D'ailleurs, je me répète, et c'est marrant que Tunsen se remanifeste à nous durant sa pause déjeuner, parce que vous avez encore, je crois, 4 heures pour revendiquer votre copie gratuite de la version de luxe de ce jeu merveilleux. J'ai l'impression de faire animateur de téléachat, qui est Dying Light à l'Epic Store. Regardez, si vous avez un compte Epic Store, vous avez encore jusqu'à 17h heure française. Pour revendiquer votre copie gratos du jeu. Et c'est vrai que ce serait ballot de louper ça si vous n'avez pas connu. Parce que c'est une œuvre vidéoludique, elle m'aura époustouflé.
Elle a pas fini de le faire, jour après jour. Waouh. Je n'en reviens toujours pas. Il y a rien dans le salon bazar. Confortable. Bah tu m'étonnes que c'est confortable. Ouais, j'ai ma... Attendez, ouais, j'ai peut-être déposé des affaires, effectivement. J'ai peut-être l'inventaire un peu plein. Un peu beaucoup, d'ailleurs. J'ai pas mal de fusils mitrailleurs. Ah, le katana! Il faut que je prépare le katana. Joie. Mes yeux s'illuminent. Ce ton à la Cartman. Qui que quoi? Qu'est-ce que vous parlez de TikTok? Hein? J'ai pas suivi là, pardon. Ou alors vous faites... attention chérie, ça va couper, oui. Fabriquer le katana. Je peux faire exorciste qui fait mal. Électricité, saignement. C'est cool hein, pour un katana. Ou le vrai... Ah, puissance d'impact, coupe. Ah, pour en faire un... Allez, pour un super katana. Oh là 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 là, je vais démembrer, je vais décapiter. Oui, bien sûr que je t'améliore à mort. Brut. Oh, les dégâts. Plus 4 aux dégâts. Le katana de la muerte. 468 de dégâts. Ça va sabrer. Bonjour, MacTot. Bonjour, Mag. Non. Le haut niveau stop, j'en ai même trop, en fait, du stuff, déjà. C'est juste que... C'est dire, j'ai l'embarras du choix. J'arrête pas d'écumer le jeu à droite à gauche. Et comme je suis un joueur lent... Oh bah tiens, j'ai même pas vu que... Bah si, je l'ai vu le vendeur, je suis bête. Non, merci, c'est gentil, mais... Rien que le katana, là, c'est ma nouveauté du jour. Et... Rien que ça, ça fait plaisir. Pas besoin, c'est gentil, mais... Oh là là, attends, c'était un jeu de lumière? J'ai cru que le parquet était tellement ciré... Ah oui, qu'on voit au travers. Enfin, au travers. Il y a un effet miroir. Jade, ici Crane, tu me reçois? Jade, tu me reçois? Mais elle boude, la vilaine. Roy, ici Crane, tu me reçois? Crane, j'allais t'appeler. Xavier a réussi à passer outre le brouillage. Je crois que tu ferais mieux de revenir ici. Faut que tu vois ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ce qui se passe là, dehors. Faut que tu vois ça de tes propres yeux. Reviens vite, c'est important. Ah. Merde, je suis dans une sécurisée, donc grappin interdit. Je ne suis plus dans une zone sécurisée, donc grappin autorisé. Ouais! Ah bah merde, il y avait une échelle, je suis con. Oui, il me proposait une quête, ce monsieur. Crane, je m'appelle Mort Norris. Je travaillais à l'hôtel de ville avant l'épidémie, au département de modernisation et maintenance des infrastructures hydrauliques. Le bug du sous-titre. Je peux vous dire. Ces derniers temps, il me manque plus que mes enfants. Ok. Alors, vous voulez me demander quelque chose? Oui, je devais à nouveau rétablir l'eau dans le voisinage. Mais c'est impossible à cause de ces fichus morts-vivants. Et ça me tue, littéralement. Pourrais-je vous convaincre de le faire? S'il vous plaît, oh, ce serait un beau geste civique, apprécié par des dizaines, voire des douzaines de nos concitoyens. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffirait de rediriger le débit d'eau, c'est tout. Et ce serait d'une aide précieuse. Cela permettrait à notre merveilleuse fontaine de fonctionner à nouveau. Ok, d'accord. Vous voulez que je fasse quoi, alors? Merveilleux, fantastique. Il vous suffit d'aller aux 3 stations de pompage et d'intervertir les vannes. Je vais vous montrer où elles sont. C'est bien pour apprendre son anglais. À chaque seconde, ça alterne. Français, anglais, c'est un style. Ça, c'est, je suis sûr que c'est un stade, là-bas. Mais c'est ça, l'affiche avec le défi. C'est le stade. Oui, tu penses que ça va être une arène de boss de fou. Faudrait que je le fasse aussi, forcément. Je sais pas quand, mais... Faudrait que je le fasse également. Oh là là, l'ivresse de la nouveauté. Mais que faire? Il y a tellement de choses. Oh là là. Comment ça, perdu dans les... Ah oui, dans l'espace, oui, il y avait le gamin et son fils. Ah.
Allez, je vais être sauveteur. Je vais aller voir la famille, là, le père de famille avec son gosse. Bon, du coup, je pense que c'est pas le même Daoud. Qu'est-ce que... Mais c'est pas vrai, il y en a des bris de verre, là. C'est pas croyable. Pardon, quoi? Oh, il y a des marioles de rice en contrebas. Oui, pardon, j'essaie de pas trop... Sa mère s'appelle Sylvie. De pas trop me détacher du chat, parce que le jeu, l'ambiance est tellement enivrante que j'en oublierai que je suis en direct Twitch, hein, littéralement. Excusez-moi du peu, c'est waouh. Là, je vais me tuer si j'essaye de faire l'idiot. À contre-jour, le grappin. Je sais même pas si j'ai un point d'accroche. Je la sens pas. Si seulement je pouvais... Merci. Je suis Spider-Man. Mais le jour où... Quand je me louperai, ça fera mal. Et il y a des sacrés recoins. Voilà, j'ai failli glisser et me quick. Oh! Attends, il n'y a pas de zombies. Je me méfie des zombies d'étoiles. Intermédiaire. Kezako. Qu'avons-nous là, Canigula? Comme j'aime bien le dire de temps à autre. Oh merde, j'ai un excité qui m'a rejoint. Oh, au moins, on a le temps de les entendre venir. Hein. Vu la richesse du décor. Voilà, merci, au revoir. Machette, tout le truc. Ouais. Ouais, elles sont bien les machettes. Ouais. Moi, c'est bien. Je suis à mon aise. J'ai du bon matos. J'ai du bon matos et vous n'en aurez pas. Non. Oh oh. Oh lo 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 lo. Oh, j'aime. Ah, c'est parce qu'il y a un fleuve. Enfin, un canal. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. C'est difficile de résister. Elle est... Ouais, je sais pas, elle a l'air décevante la batte. Allez, je la prends quand même. Bon, je sais que je suis pas pauvre, mais bon. Oh, joli. Qu'est-ce que... Oh là là, il y a un malheureux qui a dû se... Mais... Qu'est-ce que... Oh, la disposition des lieux me perturbe. Ah, il y avait un soldat de Rice qui faisait la causette, là. Merde. Wow, vertigineux. J'ai tout faux, je suis pas du tout là où il faut être. Mais alors pas du tout. C'est un peu bête. Ah si, j'allais dire, ils ont une porte. Ce que j'allais dire, ça fait une belle terrasse. En plus, à l'abri du vent. Wow. Pour les barbecues en été peinard, bon, tu rajoutes quelques plantes vous savez, aux angles. Pour rendre l'endroit agréable, pour recevoir des copains, c'est cool. En plus, t'es à l'abri des regards indiscrets. C'est un petit luxe d'avoir ce genre d'aménagement. Bon, Burke. Mais, oh, qu'est-ce qui se passe en bas? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Wouah, il y a les gars de Rice qui se font démonter. Aïe, calmos. Ah! Mais elle m'a poussé, cette nunuche! Grappin, vous m'avez pas vu! Au revoir, messieurs, dames!
Ouf. Waouh. Ils sont fait démonter. Ouais, ce sera coupé au montage, ouais, exactement. Mais... Voilà, merci, au revoir. Bah, j'avoue que j'ai un plaisir honteux d'observer les hommes de Rai se faire démolir. Quand tu sais que dans le scénario, ils ont fait pareil avec toi dans l'arène, là, avant que le D-Rai se fasse sectionner la main. C'est moi ou il y a un colosse qui est mort dans le lot? Ah non, ils sont là, les trois. Oh là là. Eh ben, dis donc, le quartier est à eux. Oh! Il m'a repéré! Aouh! Oi, oi, oi. Bon, je vais me faire discret, hein. Oubliez-moi, les gars. Mais merde, mais ils visent de loin! Mais, eh, ils vont pas me laisser en paix, eux. Vite! Bonjour, madame! La vue est imprenable ici! Oh! Voilà! Oh là, il y a des têtes qui valent, c'est une horreur! Alors. Oi, 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 oi. De toute façon, tu me diras, il y aura un moment, je pense que je serai bien obligé de me coltiner des colosses en contrebas. Hein. Eh, c'est pas ça l'hôpital dont je parlais? C'est un bâtiment d'importance, je sais pas c'est quoi, mais... Dans un prochain épisode, comptez sur moi pour découvrir à quoi correspond cette infrastructure. Il y a personne, je peux y aller. Ce sera un hôpital que ça m'étonnerait pas du tout. Attendez, pardon, je vais vous lire dans le chat. Ne me dis pas qu'il y a un colosse avec des gravats qui me vise alors que je suis là. Ils doivent tirer comme des nigauds. Oh. Oh, 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 oh. Oh, alors, attendez. Oups, voilà. Je sens qu'il va y avoir des statuettes bonus qui vont être planquées sur les rebords des fenêtres. La configuration s'y prête, mais joyeusement. Alors, attends. Je suis toujours pas à l'endroit de ma quête pour sauver le père de famille. Ah, c'est au-dessus que ça se passe. Mince! Merci. Alors, attends. Avec une flèche bien placée. Merde, j'ai failli buter le survivant. Mais c'est pas possible! Je l'ai eu ou pas? Oh, comment qu'il s'est décalé? Ah merde, le survivant est mort. Tout le monde est mort! La mission est un échec! Merde! Je pensais que c'était la bonne approche, mais non. Bon, bah, quick. Pardon? Alors, attendez. On aurait dit un psy avec ta vue imprenable et la décapitation. Ouais. On va dire ça. Alors Saul, tu dis, je me rappelle plus. Il y a un système de dégradation des armes. Possibilité de les réparer. J'y avais joué à la sortie, plus beaucoup de souvenirs. Bah... C'est vachement bien amélioré. Moi, je sais plus à quel moment. J'ai trouvé un pistolet mitrailleur dit de la police. Qui était un niveau au-dessus des autres. Mais au-dessus même des pistolets mitrailleurs des militaires. Et depuis que je l'ai, c'est celui-là. Tu vois, il est en jaune, il n'est pas en bleu. La plupart des pistolets mitrailleurs sont en bleu. Celui-là, il est au-dessus. Il est en jaune. Un bijou. J'adore ce flingue. Je m'en sépare plus. Ça et mon arc, ça me sauve, mais un truc de fou. Je dois pas être très loin du père de famille qui était en détresse. Là. Le gosse en espoir de le sauver. Merde, c'est par là. Fallait que je passe. Oh, c'est pas facile de lire le... Alors attends, il est haut. Oh. Oh là. Il m'a pas vu. Hein? Mais je l'ai pas touché. Il est tombé comme un caca.
Oui, crise cardiaque, ouais, exactement. J'ai pas compris. Je voulais effectivement lui briser la nuque, mais j'en ai pas eu l'occasion. J'ai pas compris, là. Attendez, j'ai entendu un bruit de tôle. Qu'est-ce que... Ah, c'est une excité ou un excité. Oh bah, oh là là, il est mort. Oh la chute. Il s'est brisé le crâne. Je dois plus être très loin du père de famille et de son petit haut. Ah non. Oh, Burke. Bah, voilà, merci, au revoir. Ah, il y a une caisse en contrebas, mais c'est pas pour maintenant. Ah, ils sont plus bas, les victimes. Hop. Mm-hmm. Là, je dis merci à la climatisation. Ils sont à l'étage inférieur. Ah. Oh, merde, au moins. Merde, j'ai pu... Mon arme est pétée. Voilà. Oups. D'accord. Non, il va ressortir. Oh, j'adore. C'est beau. Voilà. Voilà. Bon, quick. Attendez. Les victimes sont à l'étage inférieur. Il y avait un escalier ou... ah, peut-être le crochetage intermédiaire. Ma kleptomanie reprend le dessus. Oh là là, il y a de ces trucs. Ouais, je veux bien un petit peu de miam parce que ma santé est pas au top niveau. C'est apprécié. Ouais, matos, là il y a rien. Oh, statuette. On l'a à peine vu parce que je voulais m'acharner sur l'armoire. Mais c'est cool, c'est ça qui est fait. Bizarre. Ce serait là-bas? Non. Ah, ce serait... Attends, c'est pas l'étage intermédiaire? Si, c'est l'étage intermédiaire, ils sont là. Ok. Voilà, je vais me casser la figure. Heureusement qu'il y avait un toit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Non, c'est l'étage inférieur. On est d'accord, c'est la fenêtre là. C'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils sont. Ils sont pas dans la cuisine. Oh merde! Ah, c'est lui qui m'a appelé. Il avait dit qu'il avait été mordu. Je pense que c'était lui, non? Ou pas? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Monsieur Crane, t'es là? Ne me faites pas de mal! Je suis là pour te sauver, gamin, à condition que j'arrive à sécuriser ton appart. Il s'est passé un truc, j'ai pas compris. A plus, Pomme-Grippop, bonne journée! Merci! Ah bah, je vais arrêter dans 10 minutes à peine. Je vais faire un relais de chaîne à je sais pas qui. Bah, est-ce que tu diffuses, Pomme-Grippop? Parce que si tu te lances maintenant, je te fais le relais de chaîne et comme ça, hop, j'aurai même pas à chercher. Je sais pas si tu vas diffuser. Mais qui c'est qui est en train de démonter l'appartement? Je ressens les vibrations, on entend le bruit, mais je vois personne. Ou je suis pas au bon étage, c'est ça? Non, tu diffuses pas, mais... Ah, tu reprends le taf. Bon courage, pardon. Bon courage pour le taf. Merci, Pomme-Grippop, de ton passage. Bonne journée. Attends, trouver Samy. Il est planqué où, le gamin? Ça compte pour une planque, ça? Non. Non, non, non. Alors, il y a un truc à... Attends. Il est pas caché sous le lit, quand même. Parce que ça, c'est vraiment la fausse bonne idée, quoi. Surtout en invasion zombie. Euh...
Il est pas dans le frigo, le gosse, quand même, non? Pas déconner. Enfin, ça peut le faire s'il l'a débranché, mais bon. Quoi? Oh là, je... La richesse des décors... Ah, un enregistrement. Oh. Ok. Si maintenant, faut que je pointe les répondeurs... Ah, il est planqué là, le gamin. Pariez combien qu'il s'est barricadé. Et effectivement, les zombies sont trop débiles pour pouvoir crocheter. C'est malin. Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Et je devine que si tu m'en fais la proposition, là, c'est qu'il est en train d'émettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que je te ferai confiance. Attends, le gamin, il est pas là. Oui. Non, mais je t'avouerai que ça m'évite, tu sais, de relancer mon navigateur alors que je suis en train d'émettre. Ah, le gamin, il est là. Et c'est tout bénef. Faut juste s'assurer que t'es bien orthographié le pseudo. Eh oh, calme-toi, ce gamin, je te veux pas de mal. Gamin, c'est terminé. Tu vas bien? Mon papa a été blessé. Il a dit qu'il devenait comme les autres gens malades et qu'il pouvait plus me protéger. Il a dit que si je sortais du placard, il me ferait du mal. Mais qu'une fois qu'il serait vraiment malade, je serais en sécurité parce qu'il aurait oublié que j'étais là. Ton papa t'a sauvé la vie. Où est-il? Il est parti, Samy. On pouvait rien faire. Maintenant, je vais te ramener à ta maman. J'aurais bien aimé rester avec elle. Le problème, c'est qu'il falloir me dire où est ta maman. Troy, c'est Crane. Je t'écoute. J'ai un petit garçon avec moi. Il a vécu des moments difficiles. Il va falloir l'aider. Tu auras quelqu'un dans 5 minutes. On peut le ramener à sa mère à la tour? Je l'y amènerai moi-même s'il le faut. Merci, Troy. Ok. Bon, bah gamin, tu bouges pas. Bonjour, Nayonet. Ouais, bon midi à tous, c'est ça. Non, mais je vais rendre l'antenne, là. Je vais faire le relais de chaîne sur la chaîne que m'a proposé Saul Goodman par rapport au speedrunner de camion, là. Bah du coup, ça va t'intéresser, Nayonet, de voir quelqu'un qui speedrun sur le simulateur de camion. Peut-être que tu connais déjà l'intéressé. Wouh! Waouh! Eh ben, je vais m'arrêter là. Oh, regardez-moi ce décor. Oh la vache. Waouh. Et le bidonville est là-bas. Il est là-bas, le bidonville, de là où on vient. Oh, le jeu est d'une cohérence. Le jeu est d'une cohérence absolument remarquable. S'ils ont fait le même boulot dans le 2 qui est sorti récemment, là... C'est... J'en suis bouche bée. Pardon. Oui, c'est un concept, Nayonet, mais visiblement, c'est ce que nous propose Saul Goodman. On va voir. Je quitte le jeu, comme il y a des sauvegardes quasi constantes. Merci à Saul d'avoir proposé une nouvelle chaîne à découvrir. Voilà, je quitte proprement le jeu. Merci aux nouveaux arrivants. Oula, j'ai mon écran principal qui vient de... Ouais, c'est le temps de quitter le jeu. Oui, bah j'ai vu juste, j'ai fait 2 fois 3 heures. Je me serais fait quasiment 6 heures de Dying Light ce matin. Que du bonheur. Merci à vous d'avoir été là. Ah mais non, que je suis bête. Si, je suis condamné à ouvrir mon navigateur, de toute façon. J'ai pas résolu mon problème de droit aux commandes importantes telles que le relais de chaîne dans mon logiciel de chat. J'ai pas corrigé l'erreur et du coup je dois rouvrir mon navigateur pour accéder au chat de ma propre chaîne afin de faire la saisie. C'est vrai, ça fait partie des multiples trucs que je suis censé corriger et revoir. Pause, oui non je m'en moque, je veux pas m'entendre en retour, c'est pas le but. Tac. Oui, à tout à l'heure, je pense que je reviendrai. On va dire aux environs de 15h. Aux environs de 15h, j'aurais me repointer. Je sais pas sous quel jeu. Je vais improviser le truc qui me fait plaisir. Et à mon avis, je ferai un truc du genre 15h, 21h. A tout à l'heure. Merci pour ta modération, FunFan. Merci à la présence de tout le monde.
Alors attends, c'était qui? Il faut que je reprenne le pseudo. Je vais faire un copier-coller. Je vais refaire un copier-coller. Tu m'as dit CrodaTM. Voilà. Tac. Je vais faire relais de chaîne. Normalement, c'est dans les tuyaux. Voilà. Donc, à tout à l'heure sur je sais pas quel jeu. Merci à vous d'avoir été là. J'ai failli dire c'est Crane à plus. Le mec, il est tellement piqué dans le jeu qu'il devient mythomane. Il se prend pour le... Dommage, tant pis. Ouais, je vais m'accorder 90 minutes. Allez, rendez-vous à 15h tout à l'heure. Prenez soin de vous. Bisous les copains, à plus. Ciao, ciao. Alors, qui c'est ce monsieur? Qui que c'est? Ah, ouais, il a un volant pédalier. Alors, attends, en même temps... Oh, le bordel. Oula! Il diffuse en... Il diffuse comment, là? Parce que j'arrive pas à le... Bah, pourquoi je l'entends pas? Oula! Alors moi, j'ai un bug. J'arrive pas à... J'ai une image fixe du flux du garçon qui est pilote. Mais je vais devoir rafraîchir mon navigateur là, parce que s'il me fait la causette, le pauvre, je ne l'entends pas. Pour faire connaissance, c'est pas évident. Merci les anonymes qui regardent sur YouTube. À plus. Prenez soin de vous. Ciao.